Mais je sais pas si ça va être utilisable plus tard ou. Si tu l'utilises, est-ce que tu pourras en avoir de nouveau? Good question. C'est justement pour ça. Donc c'est, je me dis, attendons. Je Ah, crois, il y a il me une semble que idée. les dynamites, on peut que les acheter ou alors les avoir genre en fin de jeu, il me semble. Bah, je sais plus. T'avoue que alors, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui me fait, mec? Ah putain, Ah bah fatigant. voilà, merci Spike. Un niveau de survivant. Voilà. On entend les zombies hurler dehors. Tout va bien. Attaque camouflée, j'en ai rien à branler. Vous avez Bouclier, j'en ai rien à survécu. branler. Dur en affaires, je suis dur en affaires. Alors, je vais juste vérifier, mais Ah, tu restes normalement. dans la zone safe. Bon, alors moi je vais aller faire 2-3 choses. Eh non, Ou Games j'allais and récupérer Demo. de la lavande. Putain, mais c'est dingue quand même. Même en Ah oui, prévenant tout à l'avance, je sais d'avoir pas. pris le téléphone, autant l'utiliser quoi. Si la connerie a un nom, ce sera le mien. Mais non. Hop Aïe, là, mes Games and Demo, mais. voilà. Non. Non, pas le son. Bougez. Et donc voilà, normalement c'est bon. Il va le mettre de toute façon sur le chat que ça a modifié. Pourquoi y'en a déjà un qui est en train de ruminer à côté de moi là? Il est dans les... Voilà. Il refait si bien. Allez, meurs, putain! Voilà. Voilà, t'es pas encore frotté au Mais bon, par ça. toi. Alors attends. Mais putain! Il a encore. Mais non, mais c'est une blague! Il a encore un Games and Demo, mais. Je vais péter un câble. You are trop laid. Ça m'en fout, ça. Encore une fois, ce que je comprends pas, c'est que toi, ça te pose aucun problème, ça. Après, je me pose la question. Moi, normalement, il me le propose dès que je veux lancer sur Twitch. Toi, il te le propose ou pas? Tu veux dire sur la PS4? Ouais. Il te propose le jeu? Ouais, il me dit sur Dying Light, tout ça, tout ça. Qu'en fait, je fais le lancement. Vraiment, t'as un petit écran juste après avoir saisi la plateforme ou un truc comme ça. Ouais, là tu mets le titre, tu mets la Ouais, description. voilà. Et bah là-dedans, normalement, t'as marqué pour le jeu, je crois. Ouais, moi je l'ai pas ça. Hein. Faut que je revoie alors. Formation mise à jour. Live stream Dying Light. Ah, là c'est bon. Putain, il a fallu faire deux fois. Du champignon hallucinogène, oui. C'est bon. Oh oui. J'ai envie de voir D'ailleurs, je des me disais. poneys. Parce que j'ai deux trucs jaunes. Encore, oui. Oh, c'est pas snack ça. Hein. 180 de dégâts. C'est une hachette cloutée pourrie ça. Elle est légendaire, mais elle fait 189 de dégâts. Ouais, c'est quand tu l'as eu, t'étais pas au level. Donc pour l'époque elle était folle mais là. Ouais, c'est ça. Bon, on va aller mettre un petit boost quand même, allez on est sympa. Choper une corde, je vais pouvoir me pendre. Pas toi. Achat de main. Bam. Ouh, 188 de dégâts en plus avec le. L'achat de main. Produits domestiques. Olé! Bon, de toute façon, pour l'instant, on va rester sur du basique. Hein. Olé! On allait! Eh ben voilà, sur la tête ça va beaucoup moins bien marcher. Inventaire. À 200 de dégâts, c'est ma pire arme. Na 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 na.
Ma pire arme est une arme légendaire. C'est pas mal ça. Et ça coûte combien du coup? Peut-être ça se vend bien, je sais pas. Ah, Ouais, par c'est un contre, elle peu se vend cher. super bien. Bah attends, faut que je la vende en fait. Ah, bah oui, faut pas que j'utilise, faut que je la vende en fait. Ouais. Ok, on va faire ça. Oh, ouais, oh, le grappin il est devenu nul. Avec les dégâts de chute. Ah, mais j'ai pas la caméra au bon endroit en plus. Fuck! Attends, je vais modifier là. Vas-y, on prend des risques. Alors, paramètres, hop. En bas à gauche. Ah. Mince, qu'est-ce que. Oh, y en a une guignole. Allez, dans mon cul. Ah, oula. Oui, ne pas prendre un devant dans son corps. Ce qui se passe dans ton. Ne me regarde pas. Il court, il court, le hater, il court partout. Il tape, il tape, le hater, il frappe, il frappe, il frappe très fort. Ah, je me trompe de touche. Oh, elle est morte, oh lol. Oh lol. Ah, faut que je fasse gaffe à ma vie du coup. Ah bah voilà, faut que je garde la dynamite. Voilà. Ouais. Oh, t'en as besoin? Bah non, mais pour une mission, on a besoin. Ah oui. Allez, let's go. Putain! Meurs, madame! Voilà, c'est bon. Ah bah voilà! François m'avait dit la même chose la dernière fois. Allez! Hop. Ah oui, du coup, faut que je. Bon, tant pis, je le ferai en fin de stream, je pense. Je le ferai en Attends, fin de là. stream. Ah, tu veux. Pourquoi? C'était C'est la pour caméra? faire le parrainage, faut que je le fasse sur PC. Comment ça, le parrainage, je veux le faire sur PC? Si, pour World of Tank. Eh ben. Bah, je vais le faire sur PC, c'est beaucoup plus simple, quoi. Enfin, je pense. Il veut pas venir avec toi en mode ouais, salut, je fais des games avec vous. Ah non, non, mais attends, mais si on fait le parrainage, on aura beaucoup plus de récompenses, on aura plein de récompenses en plus. Autant le faire. On peut se rejoindre comme ça, oui, évidemment, mais. On perd le système de parrainage si on fait ça. Si on fait 100 batailles, on gagne un char. Très bien. Oh non. Je ferai les 100 batailles, hein, genre. Je me suis un petit peu, on va dire, engagé. Bonjour toi. Alors, ah, ça pue le russe, ça. Paf. Oh, ça pue le russe. Combien de personnes ont les clés de cette porte? Pas beaucoup. Tom. Ah non. Ah non. Merci. Pourtant, vu la gueule, ça pue le russe. Ouais, mais t'as l'impression qu'ils ont pris un peu les voix au pif et les ont mis un peu au pif sur n'importe qui. C'est un peu bizarre. Des fois, il y en a, tu dis, oh, mais celui-là, c'est pas russe du tout, et pourtant, il va vraiment parler comme un russe. C'est vraiment chelou. Ah, bah, j'ai trouvé. Ah, bah, ça a été rapide. Le problème du masque à gaz. Tout à fait, timon, monsieur. Alors, repartons là-bas. Ah, oui, c'est là, c'est ta mission. Hé, hey, petite pédale là, avec ta femme qui voulait me buter. T'as saboté la porte, Gourcel, et t'as laissé les infectés entrer dans le village. Moi? C'est ce taré avec le masque. Le garde l'a vu. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Qui? Il est où? Dis-moi. Il y a aussi ce masque que j'ai trouvé dans ta cabane. Ah là, on lève la tête, hein. Ah, puis on pose le bâton, hein. D'accord. Et qu'est-ce que j'étais censé faire? Le village voulait pas payer Rice et Rice commençait à s'énerver. C'est pour ça qu'il t'a envoyé, non? Alors c'est toi qui as organisé cette attaque. Je devais convaincre les autres de payer Rice. Ça a marché, finalement. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, de toute manière? Maintenant, Mouza veut descendre le type au masque à gaz. Ça te dérange? Ouais, si ça devait arriver, il faudrait que tu racontes pourquoi t'as fait entrer des infectés dans le village. Ok, d'accord, je vais parler à Mouza et aux gardes. Mais d'en parler, c'est vraiment leur parler ou leur parler en mode... Ouais, j'étais pas si gentil, mais j'étais pas si méchant que ça. C'est pas la même chose, quand même. Hein. Oui. Leur exposer toute la vérité ou... Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux arrondir les angles? C'est moi qui ai vous coupé. Tu l'as descendu? Non, j'ai pas eu besoin de le faire. Après ce qu'il a fait? C'est toi qui vois, mais on descend pas quelqu'un pour si peu.
Si t'es pas d'accord, on risque de vraiment pas s'entendre tous les deux. Pas de problème, j'étais énervé. J'ai jamais fait de mal à personne. Merci de lui avoir parlé. Là, ce qui est con, c'est qu'il explique pas la situation, notre perso. Ah bah non. Bah, l'autre peut très bien le rouler dans la farine, tu vois. Oui, mais ils veulent pas le foutre dans la merde. Ouais, c'est vrai. Ils veulent le laisser s'expliquer. Allez. Mais après, limite, il faudrait qu'on le laisse s'expliquer avec nous à côté, tu vois. En mode, on sait jamais, on peut rattraper, c'est vraiment une idée commune. Mais bon, voilà, ça c'est un peu... Ah d'accord, c'est dommage. Bien tenté. On n'est pas des enculés, on n'est pas feignants. Oui, on est... on n'est pas feignants. Oh feignant. Putain, il y a un explosif, il y a un creeper. Eh ben, fais-lui dis-lui de faire boum. Les creepers, il a peur. On casse. Ah, il fait boum. Voilà. Putain, il y a failli 3 balles. Non, non, c'est juste que je vis comme de la merde. Ah d'accord. C'est qu'un détail, on se tait, on ne remarque rien, s'il vous plaît. Il ne sait rien passer. Non. Strictement rien. Ah, mais c'est incroyable, je peux pas monter sur un caillou. En plus, tu vois, le truc casse-couille de... que le jeu que se mette en Games and Demo, c'est que après, quand la rediff sort, c'est en Games and Demo. Même si je l'ai modifié entre temps. Au secours. Oula. Ah bah oui, bah, il y a les dégâts de chute. Tu vas sûrement me récupérer, je te le dis. Oh, ça me saoule. Ah, tiens. Strike. Putain, on a fait un combo de moi qui met un coup d'épée. Fais gaffe, elle explose vite. What? Non, t'inquiète. Mais viens là. Pour 88 balles, bah, ça m'apprendra pas à t'aider. Ah oui, 87. Non, y'a un problème. Un $1 de moins. Quel enfoiré. Parce qu'il y a un problème. Il a vu ton high kick, il a été séduit. Ouais, c'est ça. Je séduis à coup de high kick. Alors, ouvrir la puerta. La puerta. La puerta. Oh, il y a pas mal de trucs à loot. Okay. Oh, intéressant ça. C'est vraiment dommage. Tu vois que le sens de l'araignée il marche pas en difficile. Bah, oui, c'est un peu du jeu quand même. Ouais. Bah. Bah en fait ça fait juste une onde de choc qui sert à rien. Si tu peux détecter les infectés. Ah ouais. Ouais, ils sont. En fait quand tu maintiens X et que t'as un infecté, tu sais les gros ou les infectés qui te courent à la gueule. Bah là ça marche. Attends viens là, viens fouiller. Bah clairement. C'est trop bien que ce soit doublé comme ça si le loot. Ah bah encore attends, ce sera horrible à jouer. T'imagines à chaque fois. Allez, viens. Toc, toc, toc. Hé, hey, ouvrez là-dedans. Qui es-tu? Crane, je viens de la tour. J'ai entendu une femme crier. Ouais. C'est ma femme. Elle va accoucher. Oh, merde. Je peux faire quelque chose? Il nous faut de l'alcool. Pour désinfecter. Aidez-nous, pitié. De l'alcool? Attends, j'ai de l'alcool. Et je suis pas alcoolique, hein. Hé, hey, j'ai de l'alcool. Merci, ça va beaucoup nous aider. C'était rapide, hein. Mais c'est tout ce que vous avez trouvé. Il y en a pas assez. J'irai bien moi-même. Mais je peux pas laisser ma femme toute seule. Je vais voir si je peux en trouver plus. Tu as rigolé, hein. Je connais l'histoire, elle est très rigolote. Ouais, j'ai revu la vidéo de... Hé, hey, c'est Crane. J'en ai trouvé. Encore de l'alcool. Parce que l'alcool descend très vite. Mais, c'est tout. C'est presque assez, mais pas tout à fait. Vous devez en avoir, des bactéries à éliminer. Avec cette horrible épidémie, tout doit être propre. Nickel. Oh, je veux pas risquer l'infection de mon enfant, vous comprenez? Il nous faut plus d'alcool. En fait, la maladie se transmet par morsure qui coûte... J'adore ce jeu à ce moment-là. Hey, j'ai plus d'alcool. Encore? Je vois bien la... ouais, tenez. Merci, hein. Salut. Oh, putain. Je pourrais en rester là, mais j'ai pas envie. Allez. Tu crois c'est je crois que c'est l'une des missions les plus rigolotes qu'il y a dans le jeu. Ah ouais, franchement. Allez, ouvrir. La maison. Ah, je l'ai pas. Ah bah alors t'as dû déjà la prendre. Ah ouais. Dans mon autre partie, je pense que ça compte aussi. Ouais, sûrement. Ah bah oui, en fait ce que t'as fait dans l'autre, toi c'est bon, c'est validé. Ce que t'as pas fait,
nous on le fait et après ça te valide entre guillemets. Donc, tu dois refaire c'est tes trop missions. Bien fait hein, franchement. Tu dois refaire tes missions mais normalement les trucs que t'as déjà c'est bon. Qui peut mener au secteur 0 ou à Toiger bah go à la tour. Mais ah voilà, putain personne qui a du mal. Oh, un niveau d'agilité. Mais je me disais justement, 5000 XP ça paye quand même. Hein. Pour avoir donné juste de l'alcool, ça fait plaisir. Oui, bah ils m'ont niqué 4 bouteilles d'alcool quand même. Oui, c'est vrai. Ça a été toi le donneur. Dire que ça aurait pu faire pas mal de cocktails Molotov. Hein. What? Hein? YOLO! Mais. Ah bah voilà. Je suis passé au calme à travers la plaque en métal. Au calme. D'accord. Bon, mais pourquoi pas. Bon, du coup, j'ai subi les dégâts de chute. Hein. J'ai compris. On aime les dégâts de chute. Fais remets-toi de la vie, c'est bon. Je suis en train, ouais. Parce que tu vois la plaque de métal, genre. Bah qui couvre okay. le balcon, tu vois. Bah je vais passer à travers. Ouais. Ah oui, d'accord. Dans le plus grand des calmes. Ou alors j'étais sur le bord où... T'es trop lourd. Micro. Je sais pas. T'es trop lourd. Mon arme légendaire qui sert à rien. Oh, il y a un journal de combat ici. Ouais. Pas mal. Expert en freerun. Devenez un expert en freerun. Courez plus longtemps et se faire plus vite. Gagner de l'agilité plus vite et accéder à un ensemble de compétences de parcours incomparable. Bah vas-y, let's go. Sur R1 et ah, ok, là t'étais déjà récupéré le bouquin ou pas? Bon, bah, on saura jamais la réponse. Deux, je t'ai demandé si t'as déjà récupéré le bouquin qu'il y a là-bas. Il y a un bouquin quelque part, ouais, à côté de l'intendant. Dans à côté de l'intendant, on va par là. Là, dans le meuble là. Là, là, ici. Ah, j'ai pas vu. Caisse rouge. Bien vu. Oh non, je savais pas, hein. Je savais plus, je savais pas, c'est juste qu'à un moment je l'ai vu. Surprenant. De la lavande. Ah bon, bah d'accord, c'est bon. Rapide, hein. Ah, ça ok. Ça va tout changer pour nous. Bon, ça va pas le problème des zombies, mais c'est déjà très ça. Rapide quand même comme discussion. Ça fait tellement d'XP faire des trucs comme ça. Donner juste des ressources en fait. C'est bien de te voir. Chercher le frère Haussmann dans le marché. D'ailleurs, faut que je me re-soigne. Viens à toi, je vais te faire un bon projetage avec Olga et Fatine. Eh bah, allons au projetage avec. Ouais, fait que 100 dégâts à la serpe. Oh, y'a un katana. Où sont les boucliers? La meilleure camelot de toute la ville. On peut pas vendre les boucliers? Apparemment, je ne sais pas, mais après ça va être dans des accessoires normalement les boucliers vu que c'est un accessoire avant le jeu. Ah oui, il y a marqué valeur 0 donc on peut pas. Oh mec! Donc ça sert à rien d'en prendre un. Ok. Oui. Ils ont changé quelque chose? Le décor a changé? Sérieux? Ah, il y a toujours des citrouilles hein! Regarde, c'était pas. Il y avait pas ça avant! Est-ce que... Bah, il y avait pas ça! Je me souviens pas. Il faut qu'il y avait ça, non? Allons voir une rediffusion, moi je dis. Attends, mais c'est trop bien. Bavard. Hein. Alors. Bon, on dirait qu'il a un bout de métal là, mais c'est pas grave. Toi, tu veux le sculpter? Alors, bougez pas, monsieur, je vais mettre qu'un doigt. Hein. C'est pour voir si vous avez 50 ans, ça devrait le faire. Allez, je pars l'épée dans le fion. Allez hop. Vous êtes nickel après d'avoir un cancer. Par contre, à cause de mon épée, vous allez avoir un infort. Vous allez chier les trucs, vous allez rien comprendre à la vie. C'est pas. C'est comme si on avait un jeu qui avait 100 dégâts de chute, puis d'un coup, ils avaient ajouté des dégâts de chute dans une mise à jour. Putain, ouais, c'est à peu près ça. Là, j'ai l'impression. Je me sens un peu dépaysé, entre guillemets. Je n'ai plus l'impression de jouer au même jeu. Les zombies ne font plus pareil. Ils font plus avec de comme d'habitude. Je crois qu'on a plus beaucoup de quêtes secondaires à faire, non, il me semble. Non, il reste quelques-unes. Bon, on va passer à la prochaine. Hein. La prochaine map. Hein.
Alors je me dis justement, si on finit les quêtes secondaires, bon, ça paraît assez évident qu'on va finir maintenant, je suppose. Ouais, si par exemple, du coup, on fait le secteur 0, dans ma game à moi, ce qui va se passer, c'est quoi? Bah, toi, tu auras toujours à faire le secteur 0, mais en gros, tout ce que tu vas gagner dans le secteur 0, tu le gagneras même. Bah, pour ta, entre guillemets, si tu récupères des choses importantes dans le secteur 0, tu les l'auras récupéré pour ta partie. Mais si tu retournes et que tu vas rechoper une deuxième fois le truc dans le secteur 0 dans ta partie, du coup, bah, tu l'as deux fois en gros. D'accord, en gros, faut juste que je refasse la quête en fait. Tu refais en fait la même chose. Toi en fait, ton histoire n'avance pas parce qu'il faut que tu ailles sur ta partie pour qu'elle avance. Mais tout ce que tu vas faire avec moi, tu vas le garder. Et tu pourras retourner dans ta partie à toi et reprendre l'idée où tu vas aller au secteur 0 en ayant les armes ou les avantages que tu as eu dans le secteur 0 avec moi. Tout ce que tu gagnes ici en fait, tu le gagneras pour ta partie toi. Ah bah finalement ça me va pas mal en fait. Incroyable. Oui. Nous l'avons sous-estimé. Difficile de nous en vouloir. Regarde-le. C'est bon, j'ai bien fait la chose. Vous avez terminé. Nous avons du travail. Quand nous aurons fini, nous laisserons des tyroliennes en place pour vous. Oui, nous savons que vous autres primates aimez vous balancer liane en liane. Quel enfoiré. Mais vous foutez de ma gueule. Je vais les buter les deux. Laissez-moi m'en occuper. Mais non. Les autres primates. Oh, il a plus de batterie mon téléphone, c'est terrible ça. Alors la dynamite pour Jafar. Attendez, je vais faire ça vite. Ah oui tiens, il faut que je vienne avec toi pour la dynamite Jafar. I will do fair bim bam boom. Jafar, les gars de Rise ont vraiment trouvé quelque chose. Quelque chose de valeur? Est-ce que la dynamite vaut cher? La dynamite, c'est de l'or. On pourrait préparer un truc bien spécial avec ça. Car t'es doué pour ce genre de boulot. Très bien. Un pour toi, le reste pour moi. Car trouve Attends, bien mais... comment lui donner du peps. Hein. Mais attends. Ah oui, d'accord. Ok. Petite question. Ça sert à quoi ton ordinateur là? Une petite. N'importe quoi. Oh, il a des traces de doigts. Ça. Ah. Oh, ah c'est oui, dégueu. C'est Est-ce que tu veux quelque chose, papy? Compliqué là. Hein. Bon, bref, de toute façon, ça sert à rien. Un ordinateur, tu peux l'enlever. Hein, parce que bon, t'es en invasion zombie, je vois pas quoi il va te servir à part faire la compta. Hein. Donc. Ah oui, c'est vrai qu'on a des zombies. On va pas faire grand chose avec, mais c'est pas grave. Un PowerPoint pour expliquer en tant que formateur aux apprenants comment tuer les zombies. C'est une nouvelle formation disponible maintenant. Comment tuer des zombies? Comment se déplacer en terrain hostile? Donc techniquement, mon métier ne disparaîtra pas en cas d'invasion zombie, c'est ça qui est bon. Oui, c'est vrai. Aïe, putain, c'est vrai qu'il y a... Bon, t'as dit aïe, j'ai décalé sur la gauche pour éviter de me prendre les dégâts de chute. C'était tendu. Ben, moi, je les ai ressentis, les dégâts de chute. Hein. Lol. J'ai encore du mal. De toute façon, le grappin, je l'utilisais pas des masses avant, donc je pense que longueur du repas, ça va pas trop me déranger. Ah, quoi que. Moi, j'utilise dans des grandes distances comme celle-là, tu vois, tu mets un petit coup de grappin. C'est vrai que ça t'accélère tellement plus. Bah, chop. Et hop là. Voilà. Oh là, et allez, dégage. J'ai décollé la tête. Ah, voilà. J'avais dit. Pas de tête, pas de chocolat. Ah, mais là, oh, merde. Ah, c'est pas la tête que j'ai coupé, c'est le corps en fait. Ah, carrément quoi. Ah oui, moi je fais pas dans la dentelle. Hein. Ouais, pas par quatre chemins, gars. Ah non. C'est bonjour, t'as plus de tête. Tu me regardes mal, t'as plus de tête. Quand on aura vraiment fini la campagne, faut vraiment jouer du coup les succès. Par contre, la campagne, tu veux faire la campagne que celle-là ou la following aussi? Bon, si on fait following, autant te dire que t'en as encore de l'épisode. Hein. Bah dans l'immédiat, sans following, quoi, genre juste le jeu de base, quoi. Ah. Et on reviendra peut-être bien plus tard, c'est quand on aura peut-être même oublié tout le jeu et tout ça machin pour following, c'est pas ça. Ah bah après following, faut quand même... bon, au début c'est important, après c'est un peu moins important en termes d'histoire.
En fait, au début, tu vas être directement dans cet univers-là et tu vas passer à l'autre map. Donc c'est quand même assez important. Tu vas du coup, maintenant, faut utiliser l'histoire. Hop. Les poubelles. Ah oui, du coup, les poubelles marchent. Ah oui. Les poubelles marchent. D'ailleurs, ça fait XP d'aller dans les poubelles. Ah ouais? Ouais. Sauter dans une poubelle, ça te fait d'XP en agilité. Putain, j'ai oublié ça. C'est intéressant. Les qui ont toujours des problèmes d'agilité. Oh, attends. Oh là, je viens de trouver quelque chose, ça peut être rigolo. Ça peut être un truc costume pour bien se péter le tibia, mais ça peut être rigolo. Sois proche au cas où. Comment t'es proche? YOLO! Yeah! 51 points. Ah ouais. LOL. Donc des points de survie, je suppose. Donnant d'agilité. Ah oui, bah oui. Logique. On est considéré dans une zone safe. En même temps, tu me diras, dans l'eau, t'es pas prêt de te faire attaquer par des zombies. Ouais. Mais bon. Des requins zombies. Non, mais après, je me dis, tu sais, dans certains univers zombies, les zombies vont dans l'eau et ne meurent pas dans l'eau. Ah ouais? Je crois que c'est dans. C'est un peu la liberté de chacun, ça, finalement. World War Z. Je vais. Pourquoi elle veut pas me parler? Poufias, parle! Merci, merci beaucoup. Tiens, voilà pour toi. T'es content que je te traite de Poufias? Ça affecte, ça améliore la circulation et ça accélère la cicatrisation. Ah, mais oui, il fallait que j'aille chercher des trucs, sauf que je les ai cherchés, donc du coup, oui, non. Pour des algues, j'en avais déjà pris plusieurs. On se souvient. Bon, du coup, j'ai juste à lui rendre en fait. Voilà. Mais ouais, pour repartir sur ce que tu me disais. Ouais, moi je remarque beaucoup que les zombies en fonction des univers, par exemple, tu regardes un Dying Light, tu regardes un DayZ, tu regardes un Seven Days to Die, bah les zombies sont tous différents en fait. Ouais, t'as pas une façon de voir les zombies et c'est là où c'est là. Bah, c'est intéressant. C'est là où c'est cool en fait, c'est que tous les zombies ne sont pas pareils dans tous les jeux. En fait, c'est chacun son interprétation au niveau des développeurs. Ouais. Donc, du coup, moi, à un moment, je parlais même avec des potes et ils me disaient ouais, t'imagines si demain il y a des zombies. Je fais le problème des zombies, c'est qu'on serait même pas ce que ça va ressembler dans la vraie vie. Parce que tu peux avoir des gens totalement normaux qui, le soir par exemple, vont juste envie d'avoir te bouffer le crâne. Ou tu peux avoir des gens qui seraient totalement fous et vraiment vont vouloir te bouffer comme, voilà, comme des zombies comme ça. Et peut-être qu'ils courront tout le temps, peut-être qu'ils courront que la nuit, peut-être que il va y avoir des différents zombies. Peut-être Par zombies contre, le côté, quel que soit entre guillemets l'espèce qui pourrait éventuellement y avoir et qui se rapprocherait d'un zombie, on va dire, parce que bon, encore une fois, c'est très très vague et on ne sait pas comment ça pourrait muter en fait finalement et arriver à ça. Ah bon, on n'en sait rien. Ah oui, on verra que le jour où on l'aura dans le monde. Exactement. Peut-être qu'on l'aura jamais, c'est peut-être un fantasme. Je touche toujours point pour ne jamais l'avoir. Déjà, oui, parce que ça donne avec le Covid. Voilà, le Covid. Oui, mais encore, t'as pas les gens qui te disent manger cerveau. On voit plus que cette étape, et là, oui, c'est la merde. Bon, bah, où? Ah oui, il faut monter. Ouais, le zombie, c'est qu'on sait pas à quoi il ressemblera dans la vraie vie, donc ça se trouve, quand on en aura, on remarquera même pas qu'il y en a. Ce que je voulais dire justement, c'est que pour moi, là, ce délire de changement de nuit à jour, dans beaucoup de jeux zombies, pour moi, il n'existera pas. Hein. Ah, nique ta mère. Mais dis au plus Si tu le tapes en boucle, il te tire pas dessus. Ah non, non, non. Putain, mais ça va aussi là! Il faut combien de coups? Mais il va me tuer! Mais il m'a tué! Bah voilà! T'es nul! Mais mec, je lui ai mis 15 coups! Facile! Et genre en plus, j'ai visé la tête quoi! Putain, mais n'importe quoi! On est morts tous les deux comme des caca! Après, t'aurais dû l'enchaîner avec des coups de pied, les coups de pied ça l'empêche, je dirais! Non, mais la prochaine fois, je sors le fusil dessous! Hein. Non, j'arrive! Je crois que j'ai compris! Hein. Oui, après le mieux. De toute façon, tu verras dans Following, en fait, ça va être beaucoup plus fusillé à ce moment. On va être beaucoup plus armes. Bah, en vrai, c'est. Même dans la vieille ville, on pourrait se mettre à faire pas mal utiliser. Non, non, t'es ma fait chier. C'est tout le temps ça. 8000 points de survie. Ah, pardon. Ah, ça, mais ils font mal. C'est en fonction de quoi les points de survie que tu perds? Parce que là, j'ai pris ta life quand même. Du niveau.
Et de ce que t'as, à mon avis, comme XP depuis le début. Ah ouais. À mon avis, en fait, t'es presque à la fin d'un de tes niveaux de survie, non ? Oh, c'est sérieux, c'est pour ça que ça m'a... Putain... Ah, tu en perds plus, c'est logique. Tu vas pas perdre 8000 quand t'as même pas 2000, quoi. C'est débile, tu vas pas perdre un niveau. Bah, c'est presque comme si j'avais perdu un niveau, là. Non, non, t'en es loin. Ah bah, franchement, j'étais pas loin, je pense, de la fin, et tu vois, je suis presque au début, là. 8000, non mais... Je te rends compte. Non mais après c'est vite faisable et puis tu verras dans la vieille ville c'est beaucoup plus cool. Un bouclier... Mais ça veut dire que je suis mort de pas depuis très longtemps je pense. À mon avis. Si vous bloquez... C'est tout ce que j'ai, t'es en train de te faire déglinguer par trois zombies, tu casses les couilles. Produit des effets. J'utilise pas le bouclier. Et YOLO! Hop et... Plusieurs ennemis avec une attaque. 360 degrés. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Par contre, c'est vrai que ce qui est vraiment incroyable, et ça c'est vrai qu'il le remarquait beaucoup quand Bob, c'est que le combat avec les humains dans le jeu est beaucoup plus dynamique qu'avec les zombies. Et c'est vraiment beaucoup plus dur en fait, je trouve. Oui. C'est pas la même approche. Donc les humains, tu sais qu'ils peuvent t'enchaîner aussi. Les zombies beaucoup moins. C'est clairement. Mais personnellement, j'ai toujours préféré, bon après ça c'est mon avis, mais un grand nombre d'ennemis, mais que tu tues assez facilement, on va dire, tu vois. Un grand nombre de zombies, quoi. Tu veux une vague de zombies. Donc finalement, ouais, c'est une vague de zombies, quoi. On apprend ça, ça. C'est comme par exemple dans Mountain Blade ou Warband, tu vois, c'était facile de se battre en fait. Donc du coup, c'était assez cool. Parce que... par là. Du coup, je fais le tour. Hein. Mais oui, oui, je te comprends. Ça, après, c'est mon kiff. Mais... Non, oui, oui, non, mais. Putain. Ah, mais en fait, mais attends, mais. Putain, ce soir, on est constructif avec nos paroles, c'est beau. J'aime pas ça. De comme ça se voit, mais oui, non. hop là. Je regarde la dynamite sur moi, je pense qu'il me l'a pas pris du coup. Le gars, il a de la dynamite tranquille sur lui, comme ça. Tous les matins, ouais. Il se lève avec de la dynamite. Un petit goût de dynamite. Une petite dynamite dans la poche, c'est toujours cool. Tu lui casses les couilles dès le matin, il t'envoie un petit dynamite. Debout là-dedans. Bah, je peux dire que t'es au garde à vous même, hein. Ah bon, oui. Et c'est pour la zone de quarantaine, mais c'est pas un event ou je sais pas quoi, là, ça? Si, mais il y a une mission en plus à faire dedans, donc on peut faire un. Là, c'est la mission, c'est pas l'event. D'accord. Ah non. Ouais, c'est celle-là. Cherche Haussmann dans le marché, il est là. Ah, mais il faudra pas rentrer par le même endroit. Voilà, c'est ça la diff. On va par là-bas. Ouais, d'accord. Et donc ça change tout. Eh bah oui, avec Métic. C'est quoi ce bruit? Tu veux vraiment qu'on continue, Nazim? On était potes pourtant. Salopard! Je vous dirai rien! Pas de problème, Nazim. On peut ouvrir la porte. Et il te reste encore 7 doigts. Oh, ah, non. 6. On sait que vous avez planqué du matériel partout dans la ville. Rice veut le récupérer. Ça sert à rien de nous mentir. Bon, on a peut-être pris quelques trucs. Mais on les a planqués tout au fond de votre trou du cul. Ah, c'était pas la réponse qu'il voulait à mon avis. Tous les infectés s'ils continuent de hurler comme ça. Alors baïonne-le, parce qu'il a pas fini de crier. J'ai toujours dit, quand on veut tuer quelqu'un, il faut le baïonner avant. Ça alerte les gens, c'est pas bon. Bon, alors, du coup, on va y aller. C'est le slogan d'aujourd'hui, baïonner avant de tuer. Bah non, mais c'est comme quand t'as des enfants dans les magasins qui hurlent. Alors, faut que tu voyes les parents, tu leur dis non, alors faut les baïonner avant de les trucider, les enfants. C'est mieux. Si tu les trucides et tu les baïonnes après, ça sert à rien, ils hurlent avant. C'est de violence. Ça pour tuer des enfants. Bon, bref, du coup. Et
Il y a beaucoup d'anglophones qui streament sur Dying Light. Hein. Ah ouais. Ouais, en même temps, tu penses, le jeu est très très vieux, il y en a beaucoup qui streament encore. Ouais. Ça, c'est un jeu qui a du bon, mais qui a bien vécu. Hein. Qui a du bon vécu, j'allais dire. Ouais. Et il est très bon, franchement. Hop. Oui, je sais où aller, là c'est juste que je fouille, hein, je te rassure. Ah, d'accord. Ah, de toute façon, moi je me rappelle pas du tout. Donc... C'est ça qui est génial aussi, hein, c'est que là j'ai l'impression de. Ah, mais moi j'ai remarqué directement, c'est que je commence à comprendre le jeu de plus en plus maintenant. Je connais, en plus, alors ça je te dis, dans la zone 0, ça va être horrible, hein, t'auras tout le temps ça. Donc maintenant je connais. Hein. Le jeu il peut tenter une fois, pas deux. Un peu de gaz, hein. Pas du tout. Antalgique. Ce qui est cool, c'est assez important quand même de fouiller. Mais d'un côté, c'est pas chiant. Donc du coup, c'est bien foutu quoi. Non, ouais, ça va. C'est pas relou. Ah, faut aller là. Là quoi. Oui, bah ça, fais attention avec la zone 0, ça va être tout le temps ça. Hein. Ah, c'est que des petits recoins partout tout le temps. Ah, va falloir rentrer dans des conduits d'aération. Mais... Ouais, vu que c'est la ville. Ça fait cohérence. Oui, sauf que quand t'as 40 zombies qui te courent au cul, puis que maintenant t'en as en dessous, et puis que toi t'es en mode. Tu vois, quand t'as ça là. Oh putain. Et tu te dis qu'il faut que t'ailles dedans. Ça fait flipper quand même. Ça tombe, t'es d'un coup. Ça pue, hein, par contre, hein. Je crois que c'est un truc comme ça qui doit arriver. Ah, sérieux? Oh, il m'a vu! Oh putain! Ah merde! Putain, il nous a défoncé, hein. On perd notre stamina en plus. Allez, oh, il a tout pété, cet enfoiré. Ah, mais c'est là qu'il faut aller, du coup. Ah bon, j'en ai là-bas. Ce reste un scénario. C'est l'état, hein. Oh, mais il y a tellement de virus. Il est pas censé y avoir des gens qui se faisaient torturer ici, bordel. Oh, je comprends plus rien, hein. C'est bon. Il y a du monde encore. Je crois que c'était fini, moi. Madame, bonjour. Aïe. Aïe, tiens, elle a lumière refus. C'est bon, elle est morte. Et où? Ah mais non, elle est pas morte. On va penser à mourir, madame. Hein. Ouais, c'est bon. salut Visionary, bien sur stream. Good game, thank you. Alors il est là-bas, mais attends, il y a sûrement des trucs à choper là-dedans. Thank you, my friend. Avec l'accent, ouais. Ah bah d'accord, faut aller là. D'un coup, camarade. Camarade. Je fouille pas systématiquement. Hop. Ils ont tellement de cigarettes. Comme disait Fanta, en fait, c'est ça le virus, quoi. C'est la cigarette. Hein. Ah bah ouais, je pense qu'ils te font passer un message, hein. C'est pas possible, ouais, vraiment. J'avoue. La lampe, ils éteignent dans le nord. Ah, à mon avis, vu la couleur, c'est périmé. Oula. Ah oui. Genre les pommes là, oui, c'est. Il y a pas grand chose. Ah, j'ai obtenu une bourse. Là. T'as obtenu une bourse? Ouais, j'ai les bourses pleines. Fallait que je la fasse. Donc bon, go y aller parce que c'est bon. Non, on va dire plus de conneries. Ah gros, toc toc toc. Alors, ton frère m'a payé pour te retrouver. Eh ben. T'étais pas sans savoir que je suis pas remis à toi. Mais Osman est en danger. Les hommes de Rice savent où il est maintenant. C'est beaucoup demandé, mais est-ce que tu pourrais lui transmettre un message? Dis à Osman qu'il doit dégager et qu'on se retrouvera à la planque du mur rouge. Il saura de quoi je parle. Entendu, je lui dirai. Maintenant, on a tous les deux intérêt à sortir d'ici. D'accord, Raïm. Mais je croyais que t'étais mort. Hein. Mais bon. Non, c'est surtout que t'avais plus que 6 doigts, à ce qui paraît.
On t'en avait peut-être coupé un sur le coup. C'est vrai, ça. T'as pas l'air d'en avoir en moins là, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ah, c'est tout! Sous la torture, Nadine a réveillé le drame de Rice où se cachait son frère, Osman. Nadine a demandé de passer un message à Osman, disant de quisser cette cachette avant d'y revoir Rice se trouve, et d'aller dans une maison où il y a un mur rouge. Attends, okay. Mais c'est moi qui fais le pigeon voyageur dans l'histoire! Lui, il va même pas aller chercher son frère alors qu'il a foutu la merde! Oula! Aïe aïe, mais y'en a beaucoup! Mais y'a du monde! Oh là là! Mais qui c'est qui a rameuté le quartier de zombies? Ah, peut-être l'alarme de nuit. Vas-y, monte, hein. Voilà! C'est... Avec une petite explosion, ah, mais c'est toujours bon, le taf. Parce que je me suis crafté. Crafté le. Crafté. La tu te craft. Je me craft. Tu te décraftes. Comment je. Ah oui, voilà, c'est ça. Mince. Ah bah voilà. J'aligne mes têtes ici, c'est bien. Hop. Ça meurt. Non mais... Pas mort le monsieur. Ah voilà. Bam. Au revoir madame. Ça brûle. Hello, ça brûle. Et ben voilà. Mince. YOLO. Aïe. Oh putain, les dégâts de feu. Oh, difficile. Oh ah là bon, là. Oui, tu t'en souviens. En 3 secondes, t'as perdu toute ta vie. Mais je crois que dans le normal aussi tu perds très rapidement ta vie. Quand même hein. Non je sais pas. Après t'es sûr quand même quoi. Ah mais ça c'est con, quand tu utilises un kit alors qu'il y en avait un qui était à deux doigts de se finir, mais en fait ça t'as juste claqué un kit, c'est tout. Active pour le finir. Bah non, je t'ai fait moins les malins les zombies. Ah ouais, ça vient de défoncer. Ouais, ça se sent con comme ça, hein. Ça oh bah oui, hein, derrière quand il y a une grille entre tout... Aïe. Quand il y a une grille, hein, bah ça fait beaucoup moins les malins. Hein. Ça fait les cons maintenant, ça se rend intelligent. Bon, du coup... Oh là là, il y a tellement de... Mais le feu, il est permanent ici, ou ça se passe comment, là? Genre j'aimerais bien looter dedans, mais ça fait tellement mal que... Là-dedans ? Mais moi je peux y aller. Non. Il y a du feu de ouf là, comment tu peux y aller ? C'est pas moi, il y en a plus. Ah ouais, d'accord. Ah bah il y en a plus, c'est... Tu veux que je rallume ? Non, c'est bon. Hop là, au revoir madame. Donc allons voir Osman. Ah non, faut pas ouais. Passer par là. Fais attention, il y a de l'électricité sur le chemin. Oh là, au moins tu m'as dit ça. Il a failli se passer des choses. C'est tout ce que je dirais. Cette année là. Excusez-moi. Ne me connaissez pas. Et je me suis pris de l'électricité. Merci, merci Batoche. Merci Chauve-Souris.
bah non, bah ça n'existe plus. Malheureusement. Pas quoi, malheureusement. Pas malheureusement, comment ça? Maman, tout le monde m'a dit ouais, t'appelles chauve-souris, nanana. Du coup, faut que je mette chauve-souris parce que je m'ébatte pour l'instant, hein, dans le titre. Hein. C'est terrible ça. Donc, ouais. Faut que je mette chauve-souris. Je le saurai. Voilà, c'était mon kiff de faire péter ce, cet infecté. Ah, on appelle ça voilà, s'occuper des ennemis. Ça va moins bien marcher. C'est moi qui dis quand c'est fini. Voilà. Il est énervé le monsieur. Inventaire plein, mais il est tout en plein, mon appart. J'aime bien les régler les problèmes à ma manière. Ah mais j'ai récupéré un milliard de shuriken qui servent à rien. Bonjour les deux cons. Eh ben voilà, y'en a plus. Quoi, le frère aussi s'est fait torturer. Regarde, cette famille chez vous. Alors attends, faut juste que je reprenne les... Ah bah oui, marrant. Ah, bon bah lui il a pas fait semblant. Il faut faire des kills avec des armes de jet, mais bon. J'ai une shuriken si t'as envie. Et peut-être des couteaux. T'en as combien, un milliard? Non. Dommage. Mais de toute façon on peut les craft les shuriken, non? Oui, oui, oui. Ah, oui. Bah, non, t'as, si t'as trouvé de le, si t'as débloqué des trucs, oui. Ça sert à quoi d'aller là? Bah, pour l'instant, pas grand chose, on dirait. Ah, mais peut-être, je viens de me dire que c'est peut-être pour eux. Là, ils passent par un tunnel. À mon avis, toi, ils t'ont pas loupé par contre. Si j'étais mort. J'ai même cru que tu m'avais balancé. Les hommes de Rice avaient capturé ton frère, il a parlé avant que je puisse le rejoindre. Alors Nazim est mort. Il va bien, même s'il vous manque quelques doigts à tous les deux. Mmh. Il veut que tu le retrouves à la planque du mur rouge. Il a dit que tu comprendrais. Ça veut dire que tu ne m'as pas doublé. T'es réglo, monsieur le gars de Brecken. Mmh. Ça te dirait de nous rejoindre, mon frère et moi? Non, je veux juste être payé. Entendu. Je tiens mes promesses. Ces clés ouvrent trois planques dans différentes parties du bidonville. Si t'arrives à t'y rendre, leur contenu est à toi. Bonne chance. Je ne trouve pas du tout un ou deux streams quand je tape Dying Light, enfin quand je vais dans la rubrique Dying Light, donc c'est un peu triste. Non, je vais voir. Okay. Ouais, mais normalement t'as la bonne catégorie donc c'est bon. Ah oui, mais non! J'ai raté un truc déjà sur Twitch. Non. Mais t'as du bruit. Ouais, il est où Dig Light là? 303 et là c'est combien? 302 Dying Light. Ah oui, il faut trier parce que c'est incroyable. Si tu te frites au pain, c'est vrai. On sait. Mmh. Si, moi je te vois. Ah et oui, français, il faut trier, oui, bah oui, ouais, je savais pas dire. Ah ouais, alors là, tu pouvais chercher pendant 4 quarts d'heure, à mon avis. C'est beaucoup d'anglophones, ça c'est clair, mais... Alors, jumelles c'est quoi, jumelles? On a besoin de jumelles pour réparer les Mordor à distance. Malheureusement, c'est Kumi qui a pris la dernière paire. Et il a disparu. Si vous trouvez, apportez-les à... vous aurez une récompense PS, fouiller les endroits élevés, les toits ou les antennes par exemple. Les claques, les traceurs observent généralement. Ok. Et du café, il faut du café pour le 1 monsieur. Weekend. Parce qu'il faut faire des kills avec. Comme je vous disais dans ma chaîne tout à l'heure, hein, je suis un peu con. aïe aïe. Le sens de l'heure est parti lol. Hop là. Et je cours. Oh les gars, je suis derrière. Direction le point bleu, hein, d'abord. Ok. Tu vois, c'est un jeu en plus aussi, y a pas la TP rapide, mais c'est, ça me dérange pas, tu vois. Ça, c'est cool.
La map, en fait, ce qui est bien, c'est que les maps sont pas trop longues ou plutôt trop grandes, entre guillemets. Et les déplacements ça sont tellement cool que... D'accord. Bon, bah, ciao. Sans déconner. Bon, il y en a un en moins. Ah non, pas du tout. Ouais, j'étais juste allé... Putain, j'aurais dû faire... Ah bah tiens. Voilà, lâcher au sol, c'est tellement fort ça. 221. Bon, ils avaient un peu des armes de merde. Ah, il m'a donné un truc de fou par contre en plan. Voilà. Mais lol. C'est moi ou j'ai rêvé? Ah, peut-être. Oh, un katana ka. Ah, ouh. Attends, on va faire des choses là. Excuse-moi, je hachoum. Hein. Okay. Ah bah quoique il y a des planques, on va faire directement les trois planques comme ça ce sera fait. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Un petit groupe. Allez le one shot. Oh là, toujours viser la tête dans ce pays. Je l'avais toujours dit, c'est vrai que tu oublies. Là il y a un clou de François là aussi. Toi recul, espèce de zombie, hop là, la tête en moins. Il me touche à cette distance. Putain, mais... Ah, c'est parce qu'il y avait un rouge énorme en fait. Là, je les vois pas avec. Ouais, avec la. Les larbots, tout là. Allez, pas dans l'enfer. Avec la bleue la... montante. La bleue montante. Incroyable. Tu n'es pas l'étoile montante de ce siècle, mais tu es la bleue montante. Attends. Attends, tu on attend rien. C'est énorme. Ah putain, il y a vraiment qui sniffe l'herbe. J'imagine bien son pote qui lui fait. Tu fais quoi là, Crane? Ah, elle est bonne. Ah. Yeah. Ah, ça peut être dangereux par contre. De PV. J'ai peur de tenter du coup. Non mais je crois qu'il faut tourner, faut aller autour en fait. Ah c'est bon. En fait juste avant d'arriver sur la paroi, faut laisser bien appuyer sur la 1, sinon c'est mort. Hop. Bingo. 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 Oui, je suis en train de... Non, pas pour l'air. je suis en train d'ouvrir des camions en bas. Ah. Pour les méliquites. C'est intéressant de voir. Oh, ça va marcher. Ah non, mais c'est bon, si ça a marché. J'ai eu tellement peur. Et on va... Je préfère qu'ils remettent l'événement. C'est une de négocier. Généralement, c'est mal. Ah, les kits de soins, ils en avaient tellement besoin. Parfait. Ça. Voilà. Faut ouvrir les kits de soins, c'est très important, je trouve. Inventaire plein. 355 de dégâts, mais c'est pas une épée à demain, ça. À demain. Je vais le tuer, je vais le tuer. Je vais le tuer pour sa blague de merde. Aïe aïe aïe, c'est bon ça. Lol. Allez hop, ça c'est fait. Pardon, je suis bloqué encore, mais j'en ai marre d'être. Tout le temps bloqué de partout. Ça brûle. Du coup, ça chaud devant. Bon, je me casse. Putain, mais. On va y arriver à force. Tu m'aides pour le. Tu me protèges pour le camion là? Lequel? Ah, le police. Ouais. Protect me. Protect. Mais pardon. Ouais. Mais what? Voilà. Voilà, je lui dis protège-moi. Je lui dis protège-moi et je me tape des zombies. Ok, c'est bon, là je peux je te protège. C'est bon. Oh, un pistolet. Okay.
Donc, direction l'entrepôt. Oh, fusil. Ouais, ça sert pas grand chose que je le prenne. Il faut que je pose les potions, je pense jamais à les poser. Ouais, bah faut qu'on retourne à un endroit où on peut dodo. À limite, on ira à la tour à la fin. Ouais. Donner du café. 13 de café, sérieusement. Non, c'est en bas. Putain, c'est. C'est un prof, le gars, quoi. Il faut 13 de café, quoi. Mon formateur. Juste... je suis en train de courir à côté d'un zombie. Je fais une compétition avec lui. Salut, comment ça va? Mais bon. Et je me bouffe. Je raccroche à la vie. Clic. Oh, difficile. Non mais. Ah yes, bah j'ai plus de place. Tu veux des shuriken? Ça sert à rien. Ah oui, je veux bien. Je suis parti dans le succès faire 50 kills avec des shuriken, enfin avec des armes à distance. Tiens, prends. Putain, mais je suis en difficile. Ah. Je crois qu'il est à droite. Mais non, en fait. Putain, mais difficile Ah, c'est pas facile. Voilà. Bien joué. Ah, c'est là. Ah bah là, il donne carrément des paquets de cigarettes, même pas sur les zombies, quoi. Oh yes! Putain, je l'ai fait à l'arrache et j'ai réussi en plus. Ça, c'est un sacré sketch. Ah, mais il y a un milliard d'armes aussi, c'est pour ça que t'es plein. Ah, moi aussi, je suis plein là. Tu veux qu'on aille à un endroit pour poser des choses? Ouais, je vais recycler en fait. Hein. Le chemin, on en a une. Donc, c'est pas mal con. Allez, je vois qu'il y a. Améliorer. Attends, hein. Moi j'ai refait de la place. Tu veux que je prenne des choses? À la limite, je te les redonne à la fin. On fout. Ah non, je vais juste démonter comme un savon. Hein. Je les ai pris les shuriken, en gros, nickel. Oh, y'a des zombies, cours! Rentre là-dedans, ça va être horrible, des zombies. 313 de dégâts, c'est pas dingue. Bon, ça va bien être, bon, ça va, ça va. Dis vite les. Non. 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 On l'a fait celle-là déjà. C'est des petits comiques. J'en veux plus, les gens demandent des cadrons, j'en ai ras le cul. Ils me saoulent. Mais c'est génial, parce que du coup, justement, pour parler de ton escadron, ce qui est génial, c'est que là, vous jouez à plusieurs jeux, quoi. Donc, du coup, ça fait vivre encore plus les choses. Alors, c'est moi ou je vole? Oui, oui, tu voles. D'accord, ok, pas bien. Ah, y'a un zombie. Hop là. C'est bon, je peux récupérer. Y'a plus de zombies. Mince, mais putain, mais. Et voilà, encore une fois, le même. Calme-toi. Je suis un enculé. Ah oui, clairement, mais clairement. Mais je te déteste. Je viens te le dire maintenant. Oh merde, non, non, non. Non. Merde, même Hitler dit la même chose. Dis non, non, non. Il n'accepte pas que je te traite d'enculé, mais si tu en es inacceptable. Un. Inacceptable. Traiter son commandant comme ça, c'est manque. Ah manque de respect. Allez hop. Pardon. Mais what? J'ai pris 3 coups d'affilée. À quel moment? Catanisé là. Catanisé, oui. Ça existe maintenant. Zarba de c'est trop cool en fait. Ouais, mais ça tue moins bien, je trouve. Ah oui, ça donne l'impression que ça tue, mais à chaque fois il se relève. Bon, même en fait. Trop, je sais. Ouais, j'appellerai pas ça aimer, mais ok. Mais si on t'aime. Ah ouais, je t'aime pas quoi. Ah ouais, c'est pas. C'est sinon, faut en mettre des coups quoi. Puis c'est pas maniable, ça te prend beaucoup de stam. Non, mais les shurikens, c'est vraiment la merde. Mes 50 kills, je vais jamais y arriver à les faire quoi. Mais je peux pas. Putain, ouais, non, c'est la bonne merde quoi. Oh, oui, par contre, des fois ça tranche des têtes. Hein. Si, mais moi je trouve ça pas maniable. C'est ce qui pose problème. Ouais. Non, mais mange tes perles. Chaque fois je me trompe de touche en plus. Oh.
Mais du coup, c'est un amour différent, mais pas grave. Quoi, te détester? Oui. Aïe, aïe, ah, putain. Tu vois, lui aussi, c'est un amour différent. Ah, on est la nuit. Ah merde. J'avais pas vu les choses comme ça. Je me suis rendu compte d'ailleurs en voyant. En voyant une vidéo de. Fantaibomb que c'est beaucoup plus simple de. En normal, c'est de sortir de la nuit parce que tu vois vraiment où sont les ennemis en fait. Donc, ici Crane, c'est vous Tolga? Mais après, en fait, tu peux le savoir. Quand tu. Quand t'as un zombie ennemi, t'as les gros là. Je t'ordonne de venir ici immédiatement. Oh bah j'ai lâché par rapport. Quand t'as les gros, bah si tu fais, c'est que tu maintiens X du coup pour faire un coup de ping. Et tu vas voir en fait, tu vas aller voir les Gugus. Ok. Ah ouais, vraiment? Parce que c'est pas un truc qui marche genre que 2-3 mètres quoi. Bah là moi je le vois, je maintiens X. Tu vois en fait il est orange en train de courir. Ah ça a l'air de marcher assez loin, ah ouais. Je pensais pas que ça marchait aussi loin en fait. Ouais, il y en a qui me regarde. Oh putain. T'es mort. Je suis repéré. Pas moi. Chais. Mais what? T'étais devant moi, il m'a repéré moi mais pas toi. Ah moi j'étais à deux poils de cul de me faire repérer. Ya. Putain mais c'est bon. Pas monter en plus. Mais oui. Bon mon perso qui est autiste hein, il veut pas monter. Ah là là. Ah, montez. C'est bon. Mettre la dynamite, je vais tout mettre, on sait jamais. Ça je démonte, ça je démonte, ça je démonte, ça je démonte. Ça je démonte pas. J'ai 3 katanas. Je l'ai enlevé. Ah, je sais. Ça aussi je démonte. Allez hop, c'est bon. On reste de la nuit ou on dort? Pourquoi pas rester la nuit, hein, je te dire. Je vais laisser bouclier, je m'en sers pas. Reste-t-il une place? Bah, il en reste bien plus qu'une. Hein. J'arrête d'améliorer mes armes parce qu'on en trouve tellement que tu vois, je les remplace. Moi, j'attends d'avoir des très bonnes armes et là, je les utilise. Mais... T'as raison. J'améliore en fait, j'appuie juste sur. En fait, quand t'as sur l'arme, j'appuie juste sur R2 et normalement, c'est bon. T'as des petites améliorations, mais les grosses améliorations type rajouter des comment ça s'appelle, ça les trucs. Putain, mais tu me simplifies la vie de ouf, merde, je savais pas ça. Et mettre des améliorations d'armes, donc faire L2 dessus par exemple. Moi je le fais jamais parce que j'attends d'avoir des très bonnes armes. Parce que ces améliorations là, tu les as que un certain temps. Tu sais ce que je veux te dire ou pas? Tu les as qu'un certain temps ces améliorations? Bah en fait tu les as que sur ton arme, mais tu peux... en fait dès que tu les mets sur ton arme, c'est définitif, tu pourras oui. plus les enlever. Ouais. Donc en fait moi je préfère les mettre sur des grosses armes bonnes. Ouais, enfin, à un moment raison. Tu vas gagner que des armes légendaires en fait, donc je préfère les mettre dessus. Ouais t'as raison. Mais par contre leur mettre un petit truc comme électricité ou feu ou des trucs comme ça, ça j'hésite pas. Parce que c'est toujours intéressant, ça rajoute toujours un peu de dégâts et c'est mieux. Oui, en fait je mettais tout le temps que des trucs verts, hein. Je mettais jamais des trucs... Ah bah moi ça m'arrive, quand je peux puis que j'ai une arme que j'aime bien, je le fais. Mais il faut que j'ai et que j'ai envie. Donc les deux réunis, ça fait choc à pic. Bon mesdames, ça fait tellement plus de points d'un coup la nuit. C'est tellement plus risqué. Ah mais c'est au-dessus en fait. Ah bah oui, je sais pas pourquoi j'ai gagné 20, mais j'ai gagné 1000 d'XP. Allez vas-y rentre. On peut pas fermer la porte, super. Ok, ah bah je suis plus repéré. C'est magnifique. Difficile, j'ai la flemme de me projeter. C'est mieux. J'ouvre là. A chaque fois que je trouve des barres énergisantes, je suis full life. Oh là là, mais j'adore ces missions comme ça, on gagne de l'XP. Et on gagne des choses là. Ah, stuff! C'est quoi, on va jouer de nuit? Les mecs, tout le temps de nuit. Le fou. Toi, t'aimes bien mourir, toi. Achète. Et oublie pas qu'on est en difficile, hein. En plus, c'est vrai. Eh, mais t'es normal, moi je l'ai fait, les nuits, genre rien à foutre. Moi, je fais pas la diff entre le jour et la nuit quand je suis en difficile. En difficile, en.
en normal. Mais alors en temps difficile, réfléchis avant quand même. Je vais rêver tuer du zombie. Bah viens si t'as envie. Come here. Sokabia. Bon, je te rassure, ils sont plus cool. Il est bien plus cool lui que les autres totos qui avaient rejoint la dernière fois. Ils sont pas ils cool. Ils me détestent. Ils me détesteraient pour ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont te pendre. Pièces métalliques. Donc les pièces métalliques, en fait, c'est l'équipe de réparation, en fait. Ouais, c'est ça. Tu les vois en plus en bas à droite de ton arme. Ah ouais, plus 99 plus. Oui, donc ça sert à rien d'en reprendre d'autres, de faire tout beau. Moi, tu vois, j'en ai que 36. Donc là, c'est un peu intéressant. Ah, t'en as que 36. Ouais. Mmh. Hop, on va aller là-bas. Putain, ça s'éteint tout le temps, la lampe. Cette lampe de merde. Salut, zombie. Putain, oui. Ouais, je suis passé devant. Mais il a rien compris, hein. Il m'a même pas... Mais il m'a même pas vu aussi. J'ai pris le grappin, je lui ai touché la nuque. Il a fait... m'a pas vu. Bah, les steaks. Connais pas. Je suis que niveau 12 en parcours et niveau 17 en combat, ça va pas, ça. Hop là. Putain, cet équilibrage de mes compétences. Après, ah bah coup, non, mais moi, ça va être horrible, hein. Salut le zombie! Bon, il faut tous les zombies que je vois. Tranquille. Ouais, par contre, il tue, hein. Ouais, j'en doute pas. Vénère. Ils viennent! J'ai pas peur de lui! Maman! Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé mon. Hop. Par contre, c'est horrible qu'il. Est en mode. T'as l'impression qu'il est en train de te faire un arrêt cardiaque là. Oh, t'es goût trop longtemps. C'est incroyable. D'un homme de Cro-Magnon. T'as jamais fait du sport, tu travailles au greu, t'es un feignant ou quoi, bordel. Un feignant, oui, il peut faire ça, mais non. C'est pas mal, ça. Salut Star Pop, comment ça va du salut. Coup salut. Oui, oui. Ouais. Bon, toi aussi, t'es pas un feignant. Ah, je crois qu'il te suit. Bah non. T'inquiète. Alors, j'ai rejeté la zombie. Oh, je blague à mort là, je sais pas ce qui se passe. Il y a un zombie par mètre carré là. Ah bon, bah un mètre complet également. Ah, et vous arrivez des problèmes non? Ah oui. Est-ce que c'est le même que moi qui t'a mis couché? Mais non, mais je peux pas pouvoir vous sauver, j'ai l'impression. C'est lui. Il m'a mis deux tarpes, je suis à 27 HP. Bah d'accord, je suis mort. Eh ben voilà. Bon, en fait, je pense qu'on va faire deux jours, c'est mieux deux jours. Mais en fait, alors, je me pose une question. Là, ces infectés-là, parce que tu vois, ils ont des pics et tout, ils sont noirs et tout, ils sont bizarres. C'est le truc que t'as cru en difficile, ça? Non, moi, je les ai en normal. Mais je les ai jamais vus, ces zombies-là. Hein. C'est la première fois que je les vois. Non, j'arrive, bouge pas, d'ailleurs. Comme en grappin, je peux pas utiliser en illimité. Ah ouais, mais t'es chiant aussi, tu fais exprès. 3, 2, 1. Aïe! C'est... Ah je peux pas t'aider. J'ai pris une bif. Là j'ai perdu aucun point, mais tout à l'heure j'avais perdu 8000, donc c'est normal que je perde rien. 8000. Ah, ça va pas perdre tous les jours 1000, hein. Non, on putain, est mal juste ça. Bon, on va dormir, hein. Moi je vous le dis, j'en ai ras le bol. Ça me saoule. Mais moi en fait, la nuit, s'il y a pas ces zombies là précisément, ça va quoi. Hein. Même s'il y a les zombies rouges, tu vois, je suis super allez, cool. Tous au lit. Enfin, les bleus, je pense que c'est la version améliorée, mais les bleus, ils ont été rajoutés il y a pas longtemps, parce que pendant Let's Play de Fanta et Bob, ils n'y étaient pas. Ah, et moi, j'ai jamais joué avec les bleus. Enfin, c'est que à partir du moment où je rejoue avec toi que j'ai vu les bleus, en fait. Mais les bleus, moi, je sais que quand j'avais fait ma première campagne que j'avais fait avec, je les avais pas eu, mais la deuxième, j'ai pas loupé. Ah ben... Mais ils m'ont l'air d'être abusés, oh. T'as vu ce qu'ils nous ont mis? Ah oui, mais moi je croyais qu'on les avait, mais que dans la zone 0. Sauf que pas du tout. Pourquoi? Alors, je crois où c'est PS? Tu peux pas quoi? J'ai utilisé mon grappin d'immunité. Il est son grappin. Parce que l'événement est fini. Ah oui. Et pourtant, quand je jouais avec Ali hier, je crois, ou avant-hier. Eh ben justement, hier il y avait l'événement. Il a dû se finir là il n'y a pas longtemps. Nous aussi on avait un événement trop cool où t'avais le grappin illimité et comment ça s'appelle?
et tu ne prenais pas de dégâts de chute quand tu tombais de 5 mètres. Et là, tu prends des dégâts de chute, tu poses. Bah là, moi, je m'en souviens d'un dégât de chute. Hein. Thunder qui m'a réanimé plus d'une fois. Je confirme. Ou à chaque fois, mes médicaments me servaient plus aux dégâts de chute qu'à une morsure de zombie ou un truc comme ça. Hein. Ouais, t'es bien ma petite blague. Putain, mais non. Si vous, je tue 50 zombies comme ça, mais ça va prendre trop. Ah non, mais il y a les grenades fragmentation, tu sais, c'est vrai ça. Ça compte comme arme de G, grenade fragmentation. Ah, bah c'est. Ah, c'est pas sûr. Je pense. Hein. J'espère, parce que franchement. C'est dans le même truc que les grenades. Arme de G, grenade en fait partie. Attendez, moi. J'ai même des explosifs si t'as envie, moi. Si tu veux, je peux t'en faire un ou deux. Ah, oui, carrément. Ah, mais bon, je peux faire quoi, moi? Des mines, je peux créer des arbalètes MDR. On va peut-être aller à la quête quand même. Olé. Allez, mais monte. Mais monte. Non, mais. Mais. Ah, le toit est trop incliné. Putain, je suis rentré dans la baraque, moi, carrément. Ah, bah, je pense. Putain, mais. Mais allez, oh là là, le perso des fois t'as envie de lui dire mais bordel de merde. T'es pas feignante, t'es sûr? Voilà, c'est exactement. Des fois je comprends pas pourquoi. Tu sais, il saute des murs de trucs de ouf et tout, puis d'un coup il y a un petit truc qui l'emmerde, il peut pas passer, t'es. C'est... Heureusement c'est rare, mais putain ça fait péter un câble quand ça arrive. Et qui tire comme un gros bourrin là. C'est pas moi. Il y avait un malabar. Ouais, je sais, je suis à côté de lui. C'est bon, les malabars. C'est pas le truc que tu manges, hein. Direct. Alors, lui il fait manger, ça c'est sûr, mais tu manges pas, hein. Ben, si tu manges. Le coup, tu vas manger, mais. De force. Non, tu vends quoi, toi? De la merde. Donc, un crochet, je prends. Kit de soin, je prends. Ah, mais à chaque fois, il donne un bouclier, et le bouclier, on peut rien foutre, quoi. C'est ça, ben moi, je lui laisse, hein. Je te paierai un bon prix. Tomber, C'est pour ça que je recherche pas le bouclier. Je ne veux pas la compétence du bouclier. C'est horrible. Ouais, putain, aïe 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 aïe. Ouais, moi le bouclier je l'ai pris, hein. Laisse tomber. 300. C'est on va revendre quoi. Mais moi j'ai mais une arme. Il sert rien. Hein. J'ai une arme, c'est la machette du chasseur. La machette du chasseur, je sais pas c'est quoi. Ah bah une machette de chasseur. Le meilleur marché dans toi. Ouais, mais elle est jaune. Ah bah une machette de chasseur mythique. Ah. D'accord. Je crois que c'est même pas légendaire, je crois que c'est mythique, je crois. J'ai craqué mon slip, j'ai vendu énormément de trucs, j'en avais marre tout le temps d'en faire plein. Mais ils vendent pas tout. Oh bah j'avais plein d'armes niveau 310 et à côté plein d'armes niveau 350, alors j'ai fait un choix entre les deux. Bah moi j'ai des pièces de moteur, s'il te plaît. Genre du DLC du coup ça me fait masse de thunes à chaque fois. Pétard. Fusée, j'utilise jamais mais il paraît que c'est super bien en plus. Les niveaux, oui tu vois les niveaux des armes. De toute la ville. Ah, j'en peux plus. Oui tu vois les niveaux des armes. Y'a pas de niveau dans les armes. Tu me dis niveau 310. Y'a pas de niveau. Ah non, je dis des dégâts en fait. Ah oui, bon, pistolet américain, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Fusil de police, fusil de camouflage, c'est la même chose. Eh ben j'en mets un. Ah, je peux pas la vendre ça. Ça j'enlève. Ah j'ai des modules. Ça j'enlève. Okay. Et on va enlever. J'ai énormément d'inventaire, nickel. Module titan. Ah oh, la résistance, ça peut être bien ça. J'avoue que la personne qui a joué avec nous et qui m'a donné une arme à 39 000, j'ai pas encore testé mais. Oh, t'as plus quoi de dégâts ou de. De dégâts. Ah oui d'accord. Mais je la laisse un peu de côté parce que je suis en mode je vais casser le jeu si je la prends. Donc c'est pas la peine. Ah, tu peux la prendre pour rigoler une seconde ou deux. Mais ah oui, si un moment genre le jeu me one shot non stop et me pète les couilles, tu vois. Secondes. C'est le bon moment. Il te fait peur, hein. Faut que tu recules comme ça. Personne ne fait peur, lui. Non, mais parce que. Il a reculé d'un coup. Ah, attends, non, ouais, j'ai une idée, attends, t'as rigolé. Est-ce qu'il faut lui parler. Donner 0 de café. Quoi, j'ai pas pu améliorer, sérieux. Oh putain, ça me pétait les couilles ça.
Salut Mathis, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, merci à ton pour ton follow. Regarde. J'ai entendu une explosion avant que tout ne s'effondre. Deux chauves sur un canapé. Aïe aïe aïe, on dirait le début plus de moi. Plus alors, regarde, c'est, on passe à la technique, tu vois. C'est un chauve qui sourit, une chauve sourit. Eh ouais. Un chauve qui sourit à une chauve sourit qui rit. Regardez et qui ça, sourit. Bref, bon, on va lui parler à ce connard. Ça commence. Je peux plus lui parler, moi, je sais pas pourquoi. Attendez, reculez, peut-être qu'il y a un bug. Ah, tu penses que c'est un bug? Venez, ouais. Starpop, tu comprends pas quoi dans Venez? Si, la connerie... si la connerie avait un nom, ce serait le tien. Oh, je te jure que ce serait le tien. Hop là, on retourne vers lui. Eh non. Bah, je comprends pas, il veut pas chercher du café pour ton gars dans les bars et les boutiques. C'est... Tu peux pas lui parler, Starpop, non plus? Non, c'est le mec au-dessus qu'il faut aller voir, Mongol. C'est sympa de passer. Tu nous sauves la vie. Ah bah, au lieu de dire de la merde, hein. Voilà. Ferme ta gueule, ferme bien ta gueule. Moi, je me savais parler, bande de con. Ouais, putain, faut y parler chacun son tour en fait, d'accord. Il me suce la bite, le mec. Trouver les jumelles, trouver Tolga et Fatine, pansement de pour Tolga. Trouver les jumelles de Far Cry New Dawn. Mélange de jeux vidéo. Chercher des pansements et des médicaments pour Tolga. Trouver les jumelles, trouver Tolga et Fatine. Eh ben, go aller voir les deux. Encore frères, putain. Les deux frères Taloche. On fait qu'aller les voir, les mecs. Je les aime pas ceux-là. Oh, c'est des gros cons. Ils ont bien changé parce que quand tu vois le Let's Play justement de Fanta et Bob, ils avaient pas du tout la même gueule avant. Je suis raciste contre eux. Je suis raciste contre eux. Carrément. Juste c'est, pour y eux. Y avait pas de respect. Ouais, oh, des zombies. Attends, bonsoir Kiko, Lono, bienvenue sur le stream. Oui, c'est un peu le principe du jeu, je t'en veux. Ah, un zombie, ouais, ouais, c'est pas un jeu d'invasion zombie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est juste un détail, on dira. Ça va le faire. À la fin, il y a des humains, donc. Parce que oui, mais pas, il faut quand même des humains dans les zombies, ou sinon ça va être un jeu claqué au sol. T'as quand j'ai joué avec Kelly, elle avait peur du jeu. Des zombies. Ah, t'as joué avec Kelly? Ouais, ouais. Et Likaku? Non, et Ellie c'est une fille de chez nous qui justement est dans l'escadron et qui joue à War Thunder aussi. Et bah du coup tu vois on joue à d'autres jeux en même temps. Et du coup il y en a beaucoup qui jouent à Dying Light. Et cette fille elle a souvent peur. Ouais des zombies des trucs comme ça. Moi j'adore. Hein. Ouais, c'est drôle. Non mais j'adore qu'elle ait... j'adore le fait qu'elle ait peur. Oh l'enfoiré. Alors, elle a branlé. Salut les gars. C'est pourquoi cette fois-ci. C'est pas mon problème. Est-ce que c'est une batterie? Tolga, tu vas le dégoûter. Dans le compartiment moteur d'un bus se trouve un rectangle lourd. Je sais ce que c'est qu'une batterie. Mais il faut des batteries bus avec des plaques de qualité de marine et une CDF de 1300. Togé et Fatim, je l'ai très fort. Capacité de démarrage à froid. Moi, il me faut rien. C'est une batterie plutôt grosse. Ouais, ça doit faire entre 50 et 55 kilos pièces. Ça correspond à un gros caillou. C'est un américain. Le système métrique le rend nerveux. Il nous en faut 3. Vous pouvez utiliser la force. C'est un américain. Le système métrique le rend nerveux. En exécutant des prouesses. Vous pensez que ça tire des femelles? Mais est stupide. Qu'a-t-il donc pour lui? Mais comment il peut vivre comme ça? Qui sait? Vous avez vos instructions. Allez donc les interpréter à votre guise. Ta gueule. Non. Cette violence. Merci madame. Hop là, merci madame, bonsoir madame. Ah, j'ai 2 points d'agilité, faut que je les mette. Un jour quand même. Ah, moi aussi j'ai des points d'agilité, mais je les mets pas maintenant. Pareil. Et pourquoi vous les mettez pas? Ça sert à rien d'attendre. Bah je sais jamais, en fait là j'ai l'impression que tous les trucs qu'ils me proposent c'est que de la merde après. Mais mets-les quand même. De toute façon pour atteindre le niveau 24 tu seras obligé de tous les mettre alors bon. Pas fou. Oh. Mais je sais pas dans quoi les mettre quoi du coup vu que c'est entre le jack et le truc hein. Eh bref. Pas fou. Oui t'es moi. T'as vu, je t'ai invité dans un groupe. Oui. Oh, oui, on en parlera pas tout de suite. Dans ton groupe Non, Discord, sur Discord et envoyer des trucs. Et t'es mort ou pas? Ah, ouais. J'ai cru comprendre le groupe des échangistes. T'as tous les youtubeurs français et tout. T'as Chelsea, t'as plus d'Ipine, mais ça c'est genre des trucs privés qu'il faut avoir. C'est tout le truc d'une fan.
Récupérer 3 batteries de bus. Calti, là, Calti. Oui, ils ont partout. Bon, attends, il faut que je fasse un truc déjà. Oui, c'est le principe d'un zombie. Je répète, regarde, pas s'il le faut, mais. Ah, il ne changerait pas trop. Moi, je propose. Voilà. De se battre contre des zombies. De pétards, en fait. Là, j'ai plus de vie. Oh putain. Bon, toi, tu, par contre, tu veux bien. Voilà. Au revoir, monsieur. J'avais oublié que la vie, c'est un petit peu. Voilà. Par contre, quand tu vises les têtes avec les armes à deux mains, ça one shot. Hein. Ouais, faut-il viser déjà la tête. C'est ça. Une militaire, moi. Ça a quelle gueule les batteries à la con là? Donc c'est dans les autobus, hein. Ah, pour mon avis, oui. Les gros, c'est. Voilà. Les gros boîtiers. C'est ce qu'ils avaient dit. Les deux frères. Putain, on peut voir encore celui-là. Pas mon jacket à votre. Mais non, mais non. Mais non. Il y a un gros mouton qui est vert. Ah, lâchez-moi. Lâchez-moi. Putain, non. On peut monter que dans 2-3 bus en fait. On doit. Voilà, au revoir. Oh, mais moi je vais mourir. Oui. Voilà, voilà, voilà. Lui il est en dehors de la zone, mais je t'avoue, mais attends, un 0 trouvé 0 sur 3 là. Je vois pas à quoi ça ressemble ça le problème. Aïe, aïe, aïe. On a des batteries. Ah, merci. Voilà. Il fait chier lui déjà. Il faisait chier. Il y en a un autre là-bas. Chien de la casse. Oh, oh là là, tu as mis un coup, il y a juste moi qui est. Oh putain! Oh, j'ai fait un fou ce rodin là! Ouais, j'en faisais plus de catch! Il y en a encore un! Ils font chier, les crasheurs là! Oh. Mais non, on a déjà fouillé! Allumer l'électricité! J'aurais claqué 10 pétards! Mais allez! Descends un peu, non? Y'a quelqu'un qui en a trouvé une? Oui, j'en ai trouvé une, mais il faut que je fasse ces bus. Parce que j'ai des gros mutants qui veulent ma peau. Non, mais. On la voit même pas sur l'image de mettre une tarte, mais. Non, mais. C'est du coup, les zombies là. Voilà. Non, mais. Ah, ça commence à tirer. Ça s'énerve. C'est pas moi pour une fois. Vous pouvez m'aider ou pas? Non. Oui, bah faudrait buter les zombies à côté de moi là. J'aimerais bien rentrer dans des bus, sauf qu'il faut que j'ouvre la porte. Attends, je prends mon arme. Mon pompe ultra pété. Oh, mais voilà. Mais par contre, quand tu loupes. Et... Je vais prendre mon pompe qui fait du 4 minutes. Blague. Merci quand même. Non, protégez-moi, ça veut dire qu'il faut pas qu'il me touche. Je crois que j'ai plus de vie. J'ai dit, faut pas qu'il me touche. Bah, je te tire un peu parce que là. Bon, non, j'en ai tiré deux. Oh ouais. Bah c'est bien, c'est un bon bilan sur 125. J'en ai deux en moins. Sur 125, ouais, c'est bien. Hop là, deuxième bateau trouvé. Hein. Moi je te propose que je m'occupe juste des zombies, ok? Je cherche pas. Oui, et mais je sais où est le dernier. Ah bah parfait. Trop de zombies. Au secours. Merde, je vais péter. Hop là, et là normalement. Ah bah non. Voilà, au moins. Protégez-moi. Attends, t'es monté là. Ouh. Aïe. Tellement stylé, il est coupé en deux. Voilà. Non, 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 pas pour. Ah, y'a un virulent, j'ai un problème. Aïe. Hop là, encore en moins. Ah mais. Putain, ils font chier. Il y a 40 virulents. C'est qui fait du bruit là? Ah, c'est ça, facile, d'accord. Ok, j'essaie de. Essaye de te protéger. Et bon. Ah ben. Attendez, j'en mets. Et bon. Eh, les gars, vous l'avez ça ou pas? La cape.
Hop. Regardez-moi, je vais planer. Si je parle donc là. Regarde. Je peux sauter de n'importe quelle hauteur sans mourir. De quoi, t'as un planeur? Je veux même pas. Regarde, regarde. Et tu triches, à vous. Bah non, c'est une tenue de pizza. C'est un oiseau, un avion, non, c'est la tenue de pizza. Ah, c'est pas un oiseau, mon dieu. Pauvre oiseau, faire voler toi. Pas tout léger, hein. Mais je tente. Merde, hein, je sais. Merde. Oh non, j'ai pas dit ça. Ouh, au revoir, madame. Ouais, bah toi, tiens, mais. Moi j'aime bien en fait, faut vraiment que tu times bien tes attaques avec la... Oh putain, la pente, c'est la longe qui casse les couilles sur les violons. Ouais, à chaque fois je me loupe. Bon, je vais... Viens vers moi là un peu là. Putain, bah voilà. Galère pour elle. Mais je... ça va. Salut Sadorik. Ah mais, Sadorik. Tout de suite. C'est dans sec qu'il est. Bah il s'est dit avec un pseudo pareil. Ça t'intéresse? Ouais. Peut-être chez moi il y a une foire. Besoin d'aide. Non ça va. Ouais, oh, je boule. Peut-être chez moi il y a une foire et ils ont mis la foire à un endroit où tous les guets vont. Pour faire enculer. Très bien. Ah, c'est un bon programme finalement. Au programme, vous avez l'enculade. Alors, à votre droite, il y en a un qui va se reculer, et à votre gauche, un autre qui se recule. C'est pas compliqué. Allez, bonne journée. Et bon appétit. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie? Et le cuisinier, vous voyez, en train de se faire fourrer. Bon appétit à tous. Aïe aïe aïe. Attendez, je vais vers les ambulances si vous voulez. Laisse-moi. Ah mais, on peut pas être tranquille ici. Ah, tu fais les ambulances. Attends, tu veux que je te... Attends, on va mettre un petit... Bon, il y a la remarque, il y a plus beaucoup de zombies. Je te cover. Là, j'aime pas les trucs de police, moi. Ouais, c'est un peu dur. Dur, non, mais dur. C'est chiant. Oh oui, dur, ça me rappelle des choses quand c'est dur. Excusez-moi. C'est parti tout seul. T'as pas mangé quelqu'un d'autre. Putain, j'arrive pas à ouvrir la serrure, MDR. Alors, hein, quand j'ai dit dur. Quand je vous avais dit que c'était dur, hein, vous n'étiez pas bon rigoler. Eh, sa maman la chienne. Eh, on a clear la zone, c'est limite une zone safe, quoi. Bon, tu veux pas essayer, s'il te plaît? J'ai plus de crochet. Très difficile. Oh putain. T'as pas trouvé le point de faiblesse? C'est vers la gauche normalement. Ah oui, j'ai trouvé. Ok. Oh putain, il a l'air dur. Hein. Oh, je peux me créer des soins, des crochets. Je peux me créer un booster de chasseur nocturne. Ok. Oh, j'étais un poil de cul, mec. Oh, c'est bon, j'ai ouvert. Oh, le deuxième crochet. Hein. Merci. Alors t'es bien juste pour récupérer. Non mais... Oh, ça va, je vous ai ouvert une ambulance plus loin. Calmez-vous. Oh mais hé oh, calmez-vous. Et puis vous faites tout à moitié, vous avez même pas ouvert les voitures. Non mais c'est incroyable dans ce pays. Et y'a un fourgon là aussi ouvert ou pas? On va vite fait. Hop là, voiture ouverte. Ouais. Très difficile, allez vas-y, je suis chaud. J'ai des shurikens, MDR. Y'en a un qui va se casser la tête, y'en a un qui va tirer les cheveux. Je me fais. Voilà. Non. Oh. C'est fait. Ah d'accord, ok. On m'a volé le. Putain. Premier coup. Ah bah voilà. En même temps, il était tout. C'était le. Quand tu mettais le truc dedans, tu devais pas bouger en fait. Tu pouvais directement tourner. Ah ouais. Vu ouais. Comme ça. Ah c'est une serpe pourrie, bon je vais la prendre pour l'arrivée. S'il te plaît. L'ambulance, des soins, y'a même pas de soins, voilà. Daylight. Ah, Jovenka qui nous a rejoint. Ne me dis pas que ça va me remettre sur le menu. Ouais, si ça va me remettre sur le menu.
Pourquoi ça fait ça en fait? Parce que Jomenka il a fini le jeu. Et il vient de rejoindre. Donc ça fait chier. Et normalement je pense qu'à la fin si tu passes, ça te remet sur le menu normalement. Voilà. Putain. vous avez besoin d'armes en or? Non, on est... en fait le truc c'est qu'on... on a fini le jeu chacun, mais on fait une game là justement, on recommence, on reprend un petit peu du début. Et le truc c'est qu'on veut pas sneaker le jeu en mode on one shot tous les ennemis, tu vois. Et aucun intérêt. Bah ouais. Autant, ça va casser le jeu dans ma game avant quoi. Ouais. Pour joindre tout seul, il faut que je vous invite. On va essayer tout seul, hein. Mais... voilà, comme des grands. ce qui va pas nous emmerder avec ta rediff. Attends, t'es où? T'es là. Hop. T'es là ou t'es pas là? Où c'est que t'es? Hop. Rejoins. Ah, t'es moins figuré apparemment. C'est 23h, putain! Bon, allez, on fait juste une quête, et après faut que j'arrête. Ouais, bah on aura presque fini toutes les missions, Annex. Je me suis évanoui. C'est tout ce dont je me souviens. Donc du coup, dans l'idée, on continuera sur ta game, comme ça au moins moi je referai Pnimite de mon côté, c'est pas... Limite, j'ai envie de te dire, ça m'arrange. Bah ouais, comme tu veux. Parce qu'en plus, si t'y arrives un peu avant, du coup, tu peux un peu commencer. Pas obligé de m'attendre. C'est ça. Bah, je commence. Mmh. Souvent, je farm, hein. Je fais juste de l'XP. Oh, je dois... Regardez les deux. Regardez les deux, comment ils sont servis à domicile, quoi. C'est incroyable. Ils arrivent à peine sur le serveur, ils sont devant les deux frères... bon, Tiketak. Devant les deux Tiketak. Devant les deux Tiketak là. Vérifie qu'il n'y a pas de traces dedans. Bien joué. Aucun problème avec la partie arithmétique. Comment de ça, il n'y a pas de traces dedans? Il reste encore combien à faire sur votre projet? J'avoue, c'est par rapport à quoi? Par rapport à... Tu crois que je suis con que je bouffais des batteries? Et on pourrait vraiment pour les primates quoi. Mériterait des claques, franchement. Alors, faut aller chez Jafar. Allons chez Jafar. Faut encore aller voir Jafar, putain, mais on aura fait 40 quêtes avec ce gars. On est 4 3 Ouais, je sais quoi son niveau à lui là-haut, on va se calmer. Par contre, si t'as... j'ai pas d'armes, mais si t'as des soins, je veux bien. Je suis très pas. Aïe. Le gros mec. Ah oui, par contre, pour les soins, moi je suis toujours pas d'ailleurs. J'ai que 15 de soins. J'ai que 15 22 soins. Moins. J'en ai 52. Mais 52 moins 30 parce que je me casse à chaque fois le tibia. Ouais. Moins 30. Ah déjà. Ah oh, bah d'accord, celle-là. Bah alors. Putain, ça veut pas. Cain, ta dynamite, j'en fais une bombe antipersonnelle. Ça va ratiboiser les infectés comme une moissonneuse. Je vais l'associer à des pétards et à plein de ferrailles. Mais il me manque encore des trucs. À commencer par un bon contenant. Une batterie de camion, ce serait parfait. Un chauffe qui parle à un chauffe. Enfin, il est un peu suspendu dans le vide. Et un sportif. Tu vas y arriver. Ça, c'est super facile, c'est juste à côté. Hein. Bah, je vais le faire en 2 secondes, ça. Ouais, une batterie de camion, bah oui. Déjà qu'on a mis 4 heures pour une pauvre batterie de voiture. Une pauvre batterie de... Fallait pas voir Jafar. Aïe, ouais. Ah, forcément. Oh, mon grappin, je l'ai fait. Ah. Y'a un gros monsieur. Ouais, je viens de le remarquer. Ah. Hop. Là, là. Ah, crash, tu vas mourir! Oh bah tu récupères. Hop, c'est bon, j'ai récupéré la batterie. Ah, mais non, fais chier.
Ça me saoule. C'est trop de zombies. Bah oui, forcément, je lui ai mis un trois chargeurs dans le crâne. Hop là, on ranime. Bah oui, forcément, on met pas devant un ennemi, non mais. Hein. Il me ranime devant le zombie met juste une barre, je suis déjà à 2 PV. C'est pas comment les canons, c'était pas du pont. Ah! Il y a eu non, un petit problème. Je viens de chercher, bouge pas! Oh merde! Aïe! Enfin, qui a pas marché. Ah, ma pelle elle est pas résistante quoi, elle est peut-être en orange hein, mais ouh, elle est moins lâchée. Non mais t'as ça en fait, c'est trop bien ce jeu. Merde. Ouais toi. Dis-moi pas que tu vas te casser une jambe aussi toi. Non, ça sera ça. Ouais. Aïe, oh, j'ai 14 PV. Eh ben on est efficace. Je vais retirer ça, je vais mettre ma feu des ténèbres. Ouais, ça dépend ce que tu regardes, mais oui. Est-ce que je mets ma feu des ténèbres? On est efficace, je t'en veux pas, mais il y en a un qui a sauté de. Je sais pas combien de mètres, plus pour moi. Ensuite, il me faudrait de la ferraille de la casse verticale sur le shrapnel. Et après ça, j'ai besoin de sucre et de câbles. Et c'est les magasins ou les entrepôts. Rapporte-moi tout ça, et t'auras une bombe qui pourra faire exploser une centaine d'infectés à la fois. D'accord. Je peux lui ramener quoi ? Voilà tes éclats, ces câbles font l'affaire ? Ça va le faire. Ah oui, il faut que tout le monde y parle, hein, sinon ça, voilà. Pas super propre. C'est pas grave, pas des soins, pas on fait une non. Bombe, on sert pas le thé. Va bien, on a tout. Laisse-moi un peu de temps, je te ferai signe quand ce sera prêt. C'est bon, c'est prêt. Eh bien, fallait pas voir Jaffar ? Ah si. Pour Jaja. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. C'est pas ma cat hein Jaja. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un a dû allumer l'antenne. J'aime bien ta petite moustache toi, tu me rappelles Saline. Oui c'est vrai. Et la coupe utile. Avant Hanson s'occupait de la sécurité dans la tour. Mais il trouvait le bâtiment trop vulnérable. Il voulait déplacer tout le monde ailleurs. Bien sûr, Brecken n'était pas d'accord. Alors il est parti avec un groupe de personnes. On n'a plus entendu parler d'eux. Jusqu'à aujourd'hui. Écoute par toi-même. Ici, c'est en boucle. Je suis avec le courant. Dansage. Il a dit que tant qu'on ne parlait pas à quelqu'un, il ne voulait pas se risquer à envoyer un traceur. Ça, alors je vais peut-être aller jeter un coup d'œil. S'il vous plaît, ça serait sympa. Hanson gérait bien son affaire. Je comprends pas comment ça a pu tourner au vinaigre avec lui aux commandes. Il y a un petit bug là, hein. Mais bon. Après, on va faire la mission directe. Là, ça sera fait. Ça pue encore l'embuscade ce truc là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est une blague, putain. Star Pop qui adore tellement se péter le tibia. Bon, je me pose la question si ça devient pas une religion cette vie. Oh, mais. Allez, mais putain de ta race! Quelqu'un a fait des ténèbres, mon putain, mais c'est une blague! Nope. Ouais, quand tu te prends une baffe, tu peux pas. Il marche pas ton grappin quoi. Tiens, voilà, va te faire foutre. Putain. Mais il est sérieux lui? Ah nickel, c'est ce qu'il me fallait un vendeur. Vend de la merde. Wow. Ouais, de la drogue surtout, c'est tout ce que j'ai remarqué. La bombe est prête, viens voir. Ok, j'arrive. On dirait que c'est ce qui t'intéresse. La drogue voilà. Ah ouais. Comment t'as deviné? Ah ça c'est intéressant, ça peut ou mettre le feu ou mettre de l'électricité, ça c'est cool comme ça. Et le cumul des deux, t'as l'impression d'avoir une sacrée brochette. J'aime les brochettes. Quel fromage. Jaffar, c'est Crane, je suis au bâtiment. Toute la structure extérieure est électrifiée. La marque de fabrique de Hanson. Les mecs sont vénères, t'inquiète là. Ah, alors, on a raté le tour. What the fuck? What? Ah oui. Pourquoi tous ces points là-haut? Pourquoi tous ces danses ouvertes là? C'est des soins gratos. Couper l'alimentation. Y'a quoi ici dedans? Une hache et des crevettes. Ah, y'a un truc à faire là.
Oh mais non, mais ouais, d'accord. Je vais tout couper. Hop là. Hop là. Ouais, mais il m'a mis tellement mal. Oh merde. La merde où? Je crois que j'ai trouvé. Apparemment, il est tombé et puis les mordeurs ont fini le boulot. Ça fait un moment qu'il est mort. Et les autres? Je te tiens au courant. What the fuck? Oh, mais il y a un gros putain! Parlons. J'avais compris. Voilà. Oh, mais c'est une blague. Oula. Meurs. Hop là. J'ai un peu enfermé, mais j'ai mis tellement de balles. Tu veux rigoler, à travers un mur, il a réussi à me la mettre. Enfin, dit comme ça, ah, c'est bizarre, mais... c'est chaud, là. Oh, putain. Ouais, voilà, putain, mec, c'est... Bon, les deux, là-haut, ça vous dirait pas de descendre un jour? Non. Bon. Bah oui, mais c'est trop tard. Poubelle, oui. Merci. Voilà. Je bah voilà. Putain, mais je suis gros. 7500 points de survie, survie perdu. Oh fuck. Meurs. On cherche quoi là en fait? Oh fuck. Merde, j'aurais utilisé un. Mais c'est une arme à deux mains, j'arrive pas à comprendre ça. À chaque fois, d'accord. Okay. Merde. Oh, pas moi. Oh. Ouais, c'est une arme à deux mains pourrie en fait. Ici, c'est nous sommes à court de solutions. J'ai la fausse. Il y a deux semaines, Hanson est tombé de l'échafaudage juste après avoir allumé le système de sécurité. Heureusement pour lui, il n'est pas resté au milieu. Putain, mais on a combien de virulents, mec? Nous sommes piégés ici depuis tout le temps. Personne n'a répondu à nos appels de détresse et nous n'avons plus de provisions. Il ne nous reste que le cyanure qu'Hanson avait gentiment pensé à prendre avec lui. Quelqu'un fait faire ça ou quoi? Si vous connaissiez Hanson, vous ne seriez pas étonné qu'il garde du cyanure. Ouais. Enfin bref, bon, au vu de nos options, pas tout ça, mais je l'ai plané un petit peu. Ah, ça a pas très bien marché. J'avais une marche, mais une puissance augmentée. Un peu plus intelligent. C'est donc mieux comme ça. Bon. De plus, n'avons-nous pas été un peu idiots nous aussi de laisser Hanson nous égarer ici? Merci de nous avoir trouvés, qui que vous soyez. Les gars, regardez en dessous. Désolé pour le désordre. Seref, Hazan. Non, au revoir. Jafar, j'ai trouvé le reste du groupe. Ah, ils sont tous morts. Ça m'a fini malheureusement. Merde. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour les Hanson points. Hanson a allumé le réseau électrique de sécurité et il a chuté. Le reste de ces gens s'est retrouvé coincé sur le toit, sans moyen de redescendre. Ils ont fini par manquer de provisions et ont décidé d'en finir. Mais ils pouvaient pas aller dans le bâtiment? Apparemment, c'est Hanson avait les clés. Il devait faire confiance à personne. Putain! Hanson ne faisait jamais confiance aux autres. Dommage qu'il lui ait fait confiance. Merci d'y être allé, Crane. Le problème, c'est que si on rejoue en mode normal, on va trouver le jeu tellement simple, en fait. Pourquoi vous... Mais c'est pas une quête, ça, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Ah, fallait faire un truc, là. Ah, d'accord, ok. Hop. On a fait tout ça, ouais. On a tout récupéré. Ah, attends. C'est un truc à démarrer. Ah, ouais, attends, ça c'est intéressant aussi. Oh. Normalement, le toit des voitures ça marche, hein, c'est ça? On va tester. Ouais. Faut viser la voiture. T'es tombé à côté.
Ça tombe bien, j'étais pas loin, tu vois. C'est un petit détail, fait les tests. Mais... Oui, c'est vrai que quand tu termines là, c'est pas pareil que là. Oui, c'est pas grave. Oh, y'a l'autre qui est en train de dégueuler tout ce qu'il sait là. Hop, elle dégueulera plus. Hop là, plus de tête pour madame. Pas de tête pour chocolat. Aïe. Bah, pour pas manger, c'est sûr. Start-up. 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 C'est une start-up en fait. C'est une start-up. C'est une petite start-up en fait. Merci. Le planeur ne marche pas. Il ne marche pas très bien. Très... Ouais, tu leur remercies de t'avoir appelé start-up. Je t'appellerai start-up maintenant. Je le dis. Attention. Ça va très vite, hein. D'accord. Start-Agnan. Ah! Putain, il fait un mélange entre le mur et le truc. Starfully! Il y a un brûlant! Oh, une faucille! Nickel! On t'appelle le nettoyeur dans le milieu ou? C'est à moi. Ouais. Oh là là. C'est bon ça. Pourquoi? C'est un petit carnage là, c'était sympathique. Ouais, tu m'as dit qu'on appelle le nettoyeur. Elle nettoyera. Elle décapitator. juste que j'ai la faute des ténèbres, c'est ce que j'ai. Ah, rien que ça. Oh ouais. Hop là, petit tiro. Ah d'accord, mais une fois que tu... Ok. Tu tombes de la tiro, après tu prends des dégâts, d'accord, mais c'est sympa. La tiro un peu plus, tout. Oui, voilà. Un joli petit... Au vide de prendre des dégâts quand tu sautes, entre guillemets, le mieux c'est de mettre un coup de grappin. Tu sauras. Ça annule les dégâts. Waouh. Là, si j'avais pensé à mettre un coup de grappin et tout... Oh, ouais. Ouais, faut penser, en fait faut que t'aies toujours ton grappin sur toi. Oui. J'avoue que les ambulances, des kits de soins à récupérer un petit peu tout le temps, c'est pas con, hein, parce que... Bah là j'en train d'en faire. Ouais, ça. J'ai pris des dégâts mais je ne sais pas comment. Il y avait tous les zombies étaient au sol mais j'ai pris des dégâts. Ils étaient peut-être électrocutés, non? Ah, là il y a un nain qui a explosé. Heureusement qu'il a pété loin. Heureusement, mais ouais, je sais pas pourquoi. Bah tant mieux, hein. Putain. Ah, je crois pas, hein. Bon, par contre, il va attirer un milliard de virulents. Ah non, là maintenant, oui. Oui, je t'ai fait. What the fuck? Ouais, merde. Vas-y. Mais arrêtez de me taper. Putain, mais ils arrivent à taper lol avec tout ce qu'on leur met. Putain, mais arrêtez de me taper. Ah mais il était pas mort lui en fait. Je vis bien ma vie. T'as moitié mort, mais. Je brûle en même temps que je cadenas, c'est ça. Voilà, tout ça pour un medikit, super, j'en ai utilisé 5. Un, deux, tiens. J'en ai utilisé. Putain! Faut se faire des pharmacies, c'est important. Oh, les pharmacies. T'as rince, toi, tu vois, voilà. Il y a pas des armeries, non, non? Ah merde, j'en si, le... si, t'as la prison. Oh, ouais. Ouais, quand j'aurai fini le jeu. C'est-à-dire parce que quand t'es pas armé, c'est pas du tout fun en fait. Mais moi, je pense que je vais faire ce jeu dans deux colonies, farmer les pièces de véhicules et les revendre. Pour faire quoi? Pour faire de l'argent. T'as besoin d'argent? T'as 40 000. Et tu considères que t'as besoin d'argent? Bah oui.
Mais ça sert à quoi l'argent? Rien du tout, c'est bien pour ça que je lui demande. Ah oui, c'est bien ce que je viens de dire, rien du tout. Oh là là, oh là là, mais pourquoi, oh là, pourquoi y a plein de virulents? C'est que tu vois. Dantes de question. Tu me diras, on les a éclatés. J'ai sauté clairement dans le vide. On meurt plus de chutes que de zombies. Mais t'as la vraie qu'on a plus de medikit. Bah je me plains d'en pas avoir beaucoup, mais en fait au bout d'un moment j'en récupère un peu, donc finalement ça se passe. Quelqu'un veut pas venir me réanimer? Bah ça m'aura fait. Je vous ai aimé les gars. Ah. Trois de légende perdu. Voilà, fuck. Attends, mais c'est quelle heure? Parce que j'ai un peu dépassé. Oh putain, 20 minutes. Apporter les jumelles à Santiago. Ouais, juste ça à faire, normalement c'est bon. Ok. On aura presque tout fini, mais il y a encore d'autres missions à faire. Arrêtez de manger des termites sur un bâton et rappliquez immédiatement. Manger des termites. Ta maman, tu n'as pas lâché le bouton de communication. Et qui t'a dit que tu pouvais utiliser ma radio? La même personne qui t'a dit que tu pouvais manger mon sandwich. Tu t'avais préparé à déjeuner pour nous deux. Des trucs de couple, toi pour déjeuner, intellectuel de bas étage. Voilà, insulte. Intellectuel de bas étage. Et dire que eux ils meurent à cause du train. What? Ouais, il veut pas. Mais. Monte, demeurez, merci. Oula. Demeurez. Ah non, mais il m'a saoulé là. Putain. Non, moi je vais vous laisser. Ok, bonne soirée. Pourquoi il veut pas parler? Je reviens demain, ne vous inquiétez pas. Demain, on. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Très mauvaise, pas très mauvaise. Hop là. Allez, vinez. J'ai juste en train de récupérer ça. Et paf! Heureux de vous revoir, monsieur. Comment il s'appelle? Crane. Comme la boîte vide qui est posée sur son cou. Dites-moi ce qu'il vous faut et je me mettrai en route. Du ruban adhésif. Des câbles. Il nous faut 10 rouleaux de ruban adhésif. Non, il nous faut 10 câbles d'alimentation. Du ruban. Des câbles. Du ruban. Des câbles. Du ruban. J'ai compris, il vous faut les deux. Exactement. Exactement. Fin de la conversation. Au travail. 10 rubans adhésifs, 10 câbles. C'est du bon travail, le primate. Vous surpassez largement vos capacités. On dit que pour s'améliorer, il faut jouer avec un adversaire meilleur que soi. C'est clair. Oh. Votre contact avec Tolga et moi a nettement augmenté votre intelligence. Moi, je dis pas non, hein. Pas de quoi. Une dernière tâche et nous aurons terminé. Dis toujours. Il y a une base militaire de l'autre côté du pont écroulé. Vous allez prendre une tyrolienne pour l'atteindre. Grâce à l'intelligence que vous nous avez empruntée, vous trouverez un sonar militaire mobile. Rapportez-le-nous. Rapportez-le-nous. En outre, Monsieur Dahl voudra vous voir, alors utilisez du déodorant et essayez de ne pas trop baver. Très bien, au travail. C'est un calvaire de vous regarder. C'est de la mousse qui pousse sur vous? Vous devriez bouger. Le temps passe, mais il ne bouge pas. La loi de la relativité indique que tout est en mouvement. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Ils sont fatigants, ces deux. Ils viennent de m'exploser la tête. Je le tiens bien. Dahl, c'est dans Borderlands, la société de Dahl, putain. Et ça fout dans mon dedans. Oh, t'as trouvé des jumelles. Elles vont nous être très utiles. Voici ta récompense. C'est pas grand chose, je sais. Mais je peux te montrer un tour si tu veux. Non? C'est toi qui vois. Je peux pas voir les deux. Le tour et. Et la thune. on fait quoi? On va sur le pont ou. On va manger? Moi, je m'en vais. Ah bah, nickel alors. Il y a le vendeur, il est où? Il est là? Ouais. Peut-être. J'ai pas grand chose à vendre, j'ai rien. Et mon terre. Oui, j'ai des places encore. Ouais, je m'en fous, j'ai vendu, c'est pas grave. Katana, c'est rigolo deux secondes, mais ça sert à rien. Je trouve ça inutile le katana. Ah ouais. T'as d'ailleurs, si j'ai une arme à vendre. 300, ouais, 327 c'est de la merde.
347. Je vois des lumières bizarres. Ouais, non. Va falloir aller là-bas. Bon, j'ai pas envie d'y aller. Ok, bon, bah moi, paf, je me tire. Et bah j'arrête là aussi. Oh bah comme ça. On ah ouais, là, j'ai envie de me coucher. Demain en plus je travaille. Ah, bah pareil. Je suis crevé. Sympa d'avoir un jour de repos. Ah oui. Oui. En plus moi, du coup... C'est bon. C'est pas vraiment un pont, mais je recherche de stage, mais bon. Ça fait comme si c'était un pont, on va dire. Pff, j'ai pas mon premier stage, c'est la merde. C'est des couilles. Bref. Putain, j'ai pas compris. Tu travailles jeudi ? Non. Vendredi, ah. Tu sais, c'est recherche de stage. Ah oui. Donc c'est comme si je faisais un pont, mais c'est pas un pont. D'accord. Bon bah allez, je te souhaite une excellente soirée. Et du coup, jeudi, je sais pas, on va voir. Ouais. Ok. Allez, on fait comme ça. 1T4. Hop. Bon. Merci à Kiko Lolo du coup d'être passé. Merci aussi à Mathis de cette sub. Merci à Visionary aussi d'être passé. Bref, merci à tous. Je suis explosé. Ça s'entend dans ma voix, j'imagine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis bah, à demain. Demain soir, normalement. Alors, attends, on est mardi, donc demain, c'est... Demain, on sera sur... Assassin's Creed Origins. Voilà. Donc je vous colère, je le dis 10 fois. Mais je vous ai dit que c'est soirée et je vous dis à demain. Du coup à partir de 21h normalement. Allez, ciao.